tout, une table ronde et une remise de prix. Et pour introduire ce rendez-vous annuel des GAL, des groupes d'action locale et cette assemblée générale de Leader France, j'ai demandé à Thibaut Guignard, eh bien, de prendre la parole. Thibaut, c'est à vous. Oui, il faut juste relever. Ouais, voilà. Bien, merci à toutes et à tous d'être présents cet après-midi. Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer personnellement. Je vous invite à ne pas laisser de place libre puisqu'il y a 154 places et 156 inscrits. Donc les deux qui seront debout, c'est ceux qui payent l'apéro ce soir. C'est comme ça que ça se passe dans nos assemblées générales. Très heureux de vous accueillir à Angers pour notre congrès annuel des groupes d'action locale Leader et l'assemblée générale statutaire de notre association. Je voudrais d'abord commencer par remercier Angers Loire Métropole, le pôle métropolitain de Loire-Angers et les GAL Loire-Layon pour l'accueil pour cette assemblée générale. Je le dis parfois, mais sans aucune flagornerie, à Jean-Marc Verchère, maire d'Angers, président de Loire-Angers Métropole, et Rosine, bienvenue, pardon, vice-présidente d'Angers Loire Métropole et du conseil départemental. Je leur disais tout à l'heure que nous n'avons jamais été aussi bien accueillis qu'à Angers pour organiser un congrès annuel des groupes d'action locale en Super. termes de qualité d'accueil, d'accompagnement pour l'organisation, de soutien financier des différents niveaux de collectivités territoriales. Et donc, je voulais vous en remercier très sincèrement. Je voudrais saluer également la présence de nos partenaires européens, le réseau rural national hongrois, les réseaux leaders d'Estonie et le réseau leader de Serbie, qui sont partenaires d'un projet Erasmus+ piloté par Leader France, que nous aurons l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Je crois qu'on peut peut-être les applaudir On peut déjà les d'être applaudir. là, parce que c'est super sympa de nous avoir rejoints ici en Pays de Loire. Mais ce n'est pas forcément les Serbes et les Estoniens qui viennent du plus loin, Ah. puisque nous avons aussi tous nos partenaires et nos Ah adhérents oui, des exact. Outre-mer, et l'ensemble des Alors là. Outre-mer est représenté: Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et on les en remercie vivement. C'est une rencontre importante que notre rencontre annuelle avec l'ensemble des groupes d'action locale, notamment dans cette période de transition vers la période de programmation 2023-2027. C'est aussi l'occasion de tenir notre assemblée générale et de remettre les prix leaders pour l'innovation et l'expérimentation en milieu rural. Avec cette année une nouvelle formule, les prix ont été décernés par région et ce sont donc les 13 prix régionaux qui vont ce soir se disputer les trois places du prix national pour l'innovation et l'expérimentation en milieu rural. Et donc, je pense que nous aurons là un beau moment puisque nous allons pouvoir De découvrir présentation. des beaux projets Ouais. financés par Leader dans les différentes régions françaises. Et pour cette assemblée générale, petite nouveauté, je ne vais pas tenir le crachoir toute l'après-midi, mais c'est Bruno qui va faire l'animation, donc je m'arrête là. C'est exactement ce qu'on attendait. Merci. En tous les cas, on peut applaudir le président de Leader France, mais pas que. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On va donner la parole tout de suite à Jean-Marc Verchère, qui nous accueille ici, le maire d'Angers, le président d'Angers Loire Métropole, comme le disait tout à l'heure Thibault, à qui on est ravi justement de donner cette parole pour l'accueil des plus de 150 personnes qui représentent les GAL adhérents de Leader France. Monsieur le maire, monsieur le président, c'est à vous la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce centre des congrès Jean Monnier du nom d'un de mes prédécesseurs, un grand maire d'Angers entre 1977 et 1998. Monsieur le Président de Leader France, Mesdames et Messieurs les représentants des groupes d'action locale, Mesdames et Messieurs les représentants du groupe, enfin du programme Leader, ou qui intervenaient d'une façon ou une autre dans ce beau programme, Madame la vice-présidente du Conseil général, ma chère Roselyne, Mesdames et Messieurs les élus, notamment les
président de communauté de communes du pôle métropolitain. J'en ai vu deux ou trois. Ils sont tous là. Je vous salue très particulièrement. Et puis, mesdames, messieurs, les membres du conseil de développement d'Angers-Loire Métropole, j'en ai vu quelques-uns, qui suivent vos travaux, monsieur le président. Le nouveau magistrat de la ville que je suis depuis quelques mois est particulièrement heureux de vous accueillir ici, à Angers, dans cette ville que quelques-uns découvrent sûrement aujourd'hui, et puis pour d'autres qui ont plaisir à y revenir, j'en suis sûr. Angers, je vais vous en dire un mot, c'est mon rôle aujourd'hui, c'est une ville d'histoire, celle à l'origine des peuples celtes en Dégave, puis de l'empire des Plantagenets, qui du XIIe siècle au XIIe siècle s'étendit de l'Écosse aux Pyrénées. C'est aussi la ville du roi René, comte de Provence, roi de Naples et de Jérusalem, mais aussi au XVe siècle, qui fut le premier botaniste de France. De là à voir que notre ville est restée une ville du végétal, il n'y a qu'un pas que je franchis. Mais Angers, c'est une ville de culture. L'Athènes de l'Ouest, comme elle fut surnommée un temps, elle garde encore cette dénomination. Au regard de sa longue tradition universitaire, avec son université d'État, son université catholique, et toutes deux imprégnées d'humanisme, une ville dans laquelle musique, théâtre, danse, cinéma ont su trouver un terreau fertile. Angers, c'est une ville en mouvement. C'est une ville qui connaît une forte dynamique démographique. Ce qu'on ne sait pas bien, 157 000 habitants intramuros pour notre ville, et 300 000 habitants pour notre agglomération. Elle attire beaucoup de jeunes, 45 000 étudiants. C'est un atout. Ça a aussi quelques inconvénients, certains soirs, mais croyez bien que nous l'oublions vite. Elle attire des familles encore. Nous avons une propension à voir notre population monter, parfois de façon progressive, en tout cas. Et puis, elle a des entreprises fortes qui ont nom Scania, Valeo, Atos, Colmy. En tout cas, c'est une ville où il fait bon vivre. Et je vous en redirai un mot. Angers, c'est la ville du végétal. J'y faisais allusion tout à l'heure à propos du roi René. Elle est nichée dans le premier bassin horticole de France qui accueille Végépolis Vallée, le pôle de compétitivité à vocation mondiale. Mais elle est aussi la première ville verte de France, avec 100 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et les villes de plus de 100 000 habitants en ont que 50 en moyenne. Nous sommes fiers de cela, de cette classification de première ville verte. Vous l'aurez compris, Angers est une ville où il fait bon vivre, étudier, travailler, s'installer, se retrouver, échanger. Et je suis ravi de vous y accueillir pour votre assemblée générale, et pour cet après-midi de travail où seront représentés les axes de leader. Puissent vos échanges permettre de débattre du rôle de Leader France et de la future programmation de cette action, de ce programme qui est trentenaire, me semble-t-il, et qui se veut le relais de l'Union européenne dans chaque commune, dans chaque village, en tout cas auprès de nos opérations, notamment rural. Nous serons particulièrement attentifs puisque le pôle métropolitain Angers-Loire, que j'ai l'honneur de présider et qui préside aux destinées d'un nombre de communes importants sur des territoires essentiellement ruraux, a bénéficié et bénéficiera encore, j'en suis sûr, pour 2023-2027 de ce programme FEDER. Et puis, vous me faites un honneur particulier puisque vous allez visiter des opérations du territoire qui ont été financés par les fonds FEDER, et c'est notamment le cas de la Maison de Loire en Anjou, dans une commune dont dans un passé encore pas très éloigné j'ai été le maire et que j'ai contribué à créer cette Maison de Loire en Anjou, Loire-Odyssée, sur les bords de Loire, dans une des communes qui après Angers est probablement la plus belle. Voilà, monsieur le président, j'en profite pour vous féliciter de votre récente élection à la présidence du réseau européen ELAR, et je vous souhaite des travaux très fructueux au cours de ces journées. Merci.
Merci, monsieur le maire, monsieur le président. Merci, Jean-Marc Verchère, pour ces mots d'accueil qui nous font chaud au cœur, je crois, parce que on est ravis d'être ici à Angers. Alors, avant de débuter l'Assemblée générale, je crois qu'on a un message à écouter, un message vidéo, qui est celui du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, qui souhaitait vous faire passer un petit message, vous saluer justement votre présence ici à Angers pour cette Assemblée générale et ce congrès. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai tenu à vous adresser ce message à l'occasion de ce congrès important qui marque une étape charnière pour vous entre la programmation 2014 et 2022 qui s'achève et la période essentielle qui s'ouvre à partir de 2023. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer comme l'un des vôtres. Comme vous le savez, j'ai été dans ma vie professionnelle et comme élu local d'un territoire rural, animateur de programmes européens dédiés au développement rural. J'ai appris énormément de cette expérience. Je me suis engagé avec passion, comme vous le faites chaque jour, pour fédérer les initiatives et mettre en réseau celles et ceux qui ont la volonté commune de bâtir des stratégies locales de développement. Et j'ai ainsi acquis la conviction que cette logique de coopération au service du développement rural était non seulement essentielle à la vie locale, mais plus encore à la vie publique. Je reste aujourd'hui d'ailleurs persuadé que de toute l'actualité de votre engagement au service du programme LEADER. Le groupe d'agrément d'action locale est une structure unique en son genre, sans laquelle bien des projets structurants pour notre ruralité ne pourraient pas se concrétiser. Depuis 1991, vous agissez animé par cet état d'esprit dans les 26 000 communes en France, mais aussi à travers l'action de votre fédération, qui est le seul réseau dédié pour défendre les fondamentaux de cette démarche singulière qu'est le programme LEADER. Je souhaite également vous saluer comme ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. D'abord parce que la politique agricole commune et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, participent d'une même ambition européenne et française pour la vitalité de nos territoires. Ensuite, parce qu'il existe un lien étroit entre notre histoire agricole et notre histoire rurale, et que se sont toujours nourris l'une de l'autre pour constituer aujourd'hui une part de ce que nous sommes. Enfin, parce que je sais que nombre de vos projets contribuent à inscrire le développement de notre agriculture et de nos systèmes alimentaires dans les transitions écologiques, énergétiques, de manière très concrète. Peut-être certains de ces projets seront-ils mis à l'honneur avec la nouvelle formule des prix LEADER pour l'innovation et l'expérimentation en milieu rural qui seront remis tout à l'heure. Je sais naturellement que le transfert aux régions de la gestion des fonds structurels européens a constitué une profonde évolution dans les relations que vous avez avec l'État. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité vous adresser ce message aujourd'hui. Vous aurez toujours avec moi et en moi un interlocuteur attentif à vos projets, partageant la philosophie de votre action et en engagé au service de la ruralité comme vous. Et je voudrais conclure en vous disant que nous pouvons partager plusieurs ambitions. Un attachement au respect des fondamentaux de LEADER qui doit se traduire dans la programmation 2023-2027 par des projets qui continuent d'être pensés et construits au niveau local au service de nos ruralités. Le maintien d'un lien étroit entre agriculture et ruralité qui se traduit avec le réseau national agriculture et ruralité. Il s'agit d'un signe fort. Le ministère sera attentif à ce que le réseau ne soit pas seulement concentré sur sa dimension agricole, mais que la dimension ruralité et développement local soit présente. Enfin, une ambition européenne pour la ruralité française que votre président portera à la présidence du réseau européen ELAD, et je tiens à le féliciter et à vous dire que les deux années de présidence qui s'ouvrent sont une opportunité formidable pour notre ruralité. Je serai à vos côtés pour les concrétiser. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent congrès. Voilà, on peut applaudir, effectivement, Marc Fesneau. Thibaut Guignard, un petit mot sur cette intervention. Je sais qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais envie d'en dire quelque chose malgré tout. Mais juste dire que cette intervention est révélatrice des relations de confiance et du travail en commun que nous menons avec le gouvernement, avec Marc Fesneau, mais aussi avec Dominique Faure, la secrétaire d'État aux ruralités, ouais, qui travaille sous l'autorité de Christophe Béchu. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui, et j'oublierai pas Laurence Beaune, notre nouvelle secrétaire d'État aux affaires européennes, et c'est vrai que nous avons aujourd'hui des ministres qui sont à l'écoute des difficultés. Alors, comme le disait Marc Fesneau, les fonds sont régionalisés. Mm-hmm. Notre interlocuteur privilégié, c'est Régions de France.
Néanmoins, lorsqu'on parle de simplification, lorsqu'on parle d'instruction, lorsqu'on parle de valorisation des réussites du programme Leader, ça passe aussi par le niveau national. Et nous étions d'ailleurs jeudi dernier avec Laurence Beaune et Dominique Faure pour un déplacement en Seine-et-Marne, où nous avons pu visiter deux projets financés par Leader très intéressants. Alors, on va revenir au programme prévu pour cet après-midi. Vous avez souhaité d'abord que cette Assemblée générale soit une occasion aussi de faire témoigner dans les activités passées et les activités futures de Leader France, eh bien, un certain nombre d'interlocuteurs ou de partenaires. On va y revenir. Donc, ça va être cette dynamique pour cet après-midi. Pas mal de témoignages. Et on va commencer par ouvrir cette Assemblée générale avec l'approbation d'un compte-rendu de l'Assemblée générale de l'an dernier. Là, je vous laisse faire en tant que président de Leader France. Alors là, c'est très formel, hein. Vous avez reçu le compte-rendu de l'Assemblée générale 2021 qui s'est déroulé à Troyes avec les invitations pour cette Assemblée générale. Est-ce que quelqu'un souhaite y apporter des modifications ? Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? On peut donc considérer que ce rapport est adopté et je vous en remercie. On peut le et on s'applaudit d'avoir adapté ce rapport 2021. Et on remercie Monsieur le maire qui, bien sûr, a d'autres obligations dans l'après-midi. Merci beaucoup, Jean-Marc Verchère, de votre présence. Merci à vous. Alors, on va présenter le rapport d'activité 2022. Pour le faire, Irène Tolleret devait être à vos côtés. On rappelle, Irène est députée au Parlement européen. Elle ne peut pas être là cet après-midi. Je ne sais pas si elle est en visio. Est-ce que elle va se connecter. Donc au fur et à mesure. Et puis, un certain nombre de témoins qui vont nous rejoindre cet après-midi au regard des thématiques qu'on va aborder ensemble durant cette Assemblée générale. Alors, Thibault Guignard, première chose, un avis général sur cette année 2022, dont c'est aujourd'hui une approche du bilan pour Leader France. Quelques mots. Eh bien, c'est une année durant laquelle nous avons beaucoup travaillé avec le conseil d'administration, que je voudrais remercier, même si je vois qu'il ne m'écoute pas. Mais je voudrais quand même les remercier parce que nous avons beaucoup travaillé durant cette année 2022. Remercier donc le conseil d'administration, mais aussi le groupe expert qui est piloté par François Galabrin, donc des animateurs et des gestionnaires leaders qui ont accepté de donner de leur expertise à Leader France pour nous aider sur les sujets les plus techniques. Et je voudrais les remercier pour cette implication. Ça nous a permis de maintenir un niveau d'adhésion satisfaisant, hein, 220 territoires leaders adhérents, plus un certain nombre de conseils départementaux. Une reconnaissance toujours accrue au niveau régional, national et européen. National, j'en parlais à l'instant avec le gouvernement, et européen dans les nouvelles instances, et c'est vrai, avec d'autres horizons qui s'ouvrent avec la présidence d'Elard. Nous avons renforcé nos partenariats avec le CNFPT, que nous allons entendre tout à l'heure. Tout à l'heure, on va en parler. ALDA, qui est présente également. La plateforme nationale Aide Territoire, la ANCT. Et donc, nous avons renforcé ces partenariats au service de Leader et plus largement au service de la place des ruralités dans les politiques communautaires. Car vous le savez, depuis quelques années, nous avons pris ce virage de ne plus seulement parler que de Leader, même si ça reste notre cœur de métier, mais de parler globalement de la place des ruralités dans les politiques communautaires et de comment permettre aux territoires ruraux d'avoir accès à toutes les opportunités de l'Union européenne. Et donc, c'est un travail qui s'est mené, évidemment, avec des moyens financiers nécessaires. Vous allez le voir tout à l'heure, les comptes sont dans le vert, mon cher Gérard Lendemaine, trésorier, et Bertrand Trépot qui l'aide dans l'optique de le remplacer. Hein, c'est bien le deal entre les deux. On les entendra tout à l'heure. Et donc, les finances de votre fédération sont saines et ils vous le diront mieux que moi tout à l'heure. Alors peut-être que Thibault, Alexis vient de me dire que Irène était connectée. On pourrait lui demander d'intervenir justement et d'avoir son regard rapide sur cette année 2022. Alexis, c'est possible ?
Bonjour à tous, j'espère que vous Est-ce que le m'entendez grand bien. pic, Désolé le de gal ne du pas. grand pic Saint-Loup nous entend. Et nous, oui, entend. Il nous entend, mais on bien. n'entend Est-ce pas. que vous m'entendez? Irène, on ne vous entend pas encore. On ne vous entend Eh pas. ben, je ne sais pas. Dommage. Comment Est-ce on que peut vous solutionner? m'entendez là? Ben, le temps que je réponde à la Oui. deuxième question, Eh peut-être. ben, on va parler déjà de la suite, qui est le retour sur l'événement du mois de mars. Dans une commune que vous connaissez bien, Thibault, d'accord, en Côte d'Armor, à Pleuc-l'Hermitage, et c'était le séminaire européen leader, donc dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Alors, rappelez, c'était quoi ce séminaire, pourquoi on l'a fait, comment ça a marché, et puis est-ce qu'on prévoit d'autres séminaires, ça on en reparlera plus tard, mais avoir un retour sur ce premier séminaire, c'est un premier? Alors, c'était un premier séminaire de cette envergure, hein, puisque ça restera un moment fort de l'année 2022, mais aussi, je pense, un moment historique dans la vie de la Fédération Leader France. D'abord, il y a Irène qui fait des grimaces derrière moi, c'est ça? D'abord, Non, parce... ça va, ça va. Remettez le visuel de la PFUE, s'il vous plaît. D'abord, parce que... La France ne préside pas le Conseil de l'Union européenne tous les ans, puisqu'elle elle préside à peu près tous les 14 ans, tous les 13 ans maintenant. Et donc, c'était l'occasion justement de parler de la place des ruralités dans les politiques européennes. Et nous avons saisi cette opportunité pour, tout le long de la présidence française de l'Union européenne, parler des ruralités en notre nom, mais au nom de tous les réseaux européens également. C'est-à-dire que... Les ruralités sont très diverses, hein, du sud du Portugal au nord de la Suède en passant par ouais. Mayotte. Les ruralités sont très diverses et on s'est fait le porte-voix de l'ensemble de ces ruralités pendant la présidence française de l'Union européenne. Et donc à Pleuc-l'Hermitage, belle commune des Côtes d'Armor, mais néanmoins petite commune rurale ouais. comme nous connaissons dans nos territoires, nous avons tout de même réussi à rassembler plus de 350 personnes en présentiel de 21 États membres différents avec trois gouvernements, français, espagnol et tchèque. Et je pense qu'effectivement, c'était une performance en termes d'organisation. Et puis nous avons réussi à faire passer des messages grâce à notre ministre de la cohésion territoriale de l'époque, Joël Giraud, qui sera là ce soir avec ce nous soir, ouais, en on tant le que retrouvera. Député, qu'on retrouvera tout à l'heure, qui a pu porter après dans les conseils informels de la présidence française les différents sujets de ces questions de ruralité. Et ça tombait vraiment bien puisque ça arrivait au moment de la vision à long terme de la Commission européenne pour les zones rurales et du pacte rural qu'on appelle parfois agenda rural, mais que à Bruxelles on appelle le pacte rural. Et donc on avait vraiment là un alignement des planètes pour parler de la place des ruralités dans les politiques communautaires. Et maintenant, nous allons avoir une nouvelle séquence qui va s'ouvrir en 2023 avec une année préélectorale ouais. pour le Parlement européen qui sera l'occasion à nouveau de passer ces messages. Alors, c'était deux journées de travail ardent, de table ronde, où les échanges étaient absolument passionnants. J'ai eu la chance, et merci encore, de pouvoir animer ce séminaire. On t'a c'était repris, un du coup, excellent, on t'a un repris, excellent on souvenir. Qu'on était satisfait de la prestation. Qui d'entre vous était là au séminaire à Pleuc-l'Hermitage? Oui, donc il y avait quand même pas mal de monde à avoir assisté les autres à ça. Du cher. Alors, est-ce que Irène, pas Irène? Petite. Irène, elle est là. Est-ce que ah, vous Irène, ravie de vous entendre. Bonjour. Le Grand Bonjour. Pic Saint-Loup et bienvenue à Angers. Juste avant de pouvoir vous parler en direct, Thibault a fait un rapide à brosser l'année 2022. Peut-être nous faire un rapide portrait de l'année 2022 de Leader France telle que vous l'avez vue, telle que vous l'avez accompagnée. Alors, moi, d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être présent avec vous. Ce n'est pas le cœur qui me manque hein, d'y être. Mais je voulais notamment être présente avec vous parce que je me régale de travailler avec vous, parce que je crois fondamentalement qu'une politique, pour qu'elle réussisse, il faut que tous les acteurs travaillent ensemble. C'est l'état d'esprit de Leader, c'est l'état d'esprit de Leader France à travers son conseil d'administration. Et j'ai pu participer un petit peu à ma modeste... place de député européen puisque non seulement j'étais présente à Pleuc ouais. pour cet événement, mais également on a eu le 8e rapport sur la politique de cohésion qui a permis un petit peu de travailler comme on a envie de travailler, c'est-à-dire en amont du texte,
en concertant avec des collectivités locales, en travaillant y compris avec Leader. Dans les collectivités que j'ai sollicitées et qui ont répondu, on a le Grand Toulouse, donc, qui nous a donné la nouvelle secrétaire d'État à la ruralité, Dominique Faure, et j'espère qu'elle fera un travail d'aussi grande qualité que celui de Joël Giraud, parce que je me suis régalée de travailler avec Joël aussi. Et donc, ça a permis, par rapport à la proposition de la Commission, ben, d'avoir un rapport où on a été essayer de renforcer et de cranter le fait que la ruralité, c'était pas autre chose que l'avenir de la réalisation du pacte vert dans notre Union européenne, que pour ça, il fallait qu'on ait de la simplification et qu'une des meilleures façons d'avoir de la simplification, c'était de ne pas changer les catégories de régions, de rester avec les trois types de régions que nous avons, et puis mettre sur la table qu'il fallait voilà, tous ensemble se simplifier la vie pour que ce magnifique bébé qu'est Leader puisse aller encore plus loin. Merci, merci à vous. On va vous retrouver tout à l'heure. Alors, Thibault, on a parlé de Dominique Faure, on a parlé effectivement des différents ministres, dont celui qu'on avait vu à Pleuclermitage et qu'on retrouvera ce soir. Nous parler peut-être justement de toutes les actions de lobbying de Leader France. En fait, Leader France a plusieurs missions. Sa première mission, c'est de fédérer les groupes d'action locale qui sont à l'initiative de sa création en 1997. C'est de défendre les fondamentaux de Leader et la mise en place de Leader dans les régions. Mais nous avons aussi un travail à faire sur ce qu'on appelle à Bruxelles le policy making, c'est-à-dire la rédaction, l'écriture des politiques publiques en direction des ruralités. Et donc c'est vrai que nous avons un gros travail dit de lobbying, même si aujourd'hui c'est un gros mot, c'est pour ça que j'utiliserais plutôt policy making, pour auprès de nos décideurs nationaux, mais aussi de nos décideurs européens. Donc c'est un travail qui se fait plutôt dans l'ombre, bien que vous soyez informés de l'ensemble des rencontres avec les newsletters de Leader France. Mais nous avons pu rencontrer le commissaire européen à l'agriculture. Nous travaillons régulièrement avec les membres du comité européen des régions, avec les parlementaires européens, avec les représentants de la commission. Et donc c'est un gros travail qui doit permettre justement d'intégrer les spécificités du développement rural dans l'ensemble des politiques européennes et pas uniquement dans Leader. Alors tout à l'heure on a entendu Marc Fesneau, d'accord, c'est une chose, tout à l'heure on entendra Joël Giraud puisqu'il nous rejoindra. Ce que je vous propose maintenant, puisqu'on vient de parler de lobbying et Irène en parlait tout à l'heure, c'est d'entendre Dominique Faure qui avait un petit message aussi, qui souhaitait en tous les cas nous transmettre un petit message cet après-midi. On l'écoute. Chers toutes et tous, je suis désolée de ne pouvoir être avec vous pour le congrès annuel de Leader France à Angers, mais je tenais cependant à vous adresser un message d'amitié et de soutien. Je sais l'engagement et le rôle de Leader France en faveur du développement rural et de la mobilisation du FEADER dans nos territoires ruraux. Méthode longtemps innovante, partenariale et territoriale, la démarche Leader est marquée par la philosophie de l'autodéveloppement des années 70, qui a trouvé son apogée dans les années 80. On la retrouve ainsi dans les fondamentaux de la loi Montagne de 1985. Cette approche nous inspire beaucoup aujourd'hui dans ce que nous voulons faire en matière de politique publique pour les ruralités. C'est pour cela que dans le cadre de la préparation de l'acte 2 de l'agenda rural, j'ai souhaité créer un atelier sur les questions relatives à l'Europe en ruralité. Thibaut Guignard en est le référent en votre nom et a accepté, et je l'en remercie, d'animer ce collectif d'ici Noël 2022. Sur la base de vos propositions, je présenterai une feuille de route à la Première ministre début 2023. Il est non seulement important, mais plus encore vital, de coopérer entre territoires ruraux, de travailler en réseau. C'est un des enseignements de Leader et la valeur ajoutée d'Elard, votre réseau européen. Les territoires ruraux doivent sortir de l'isolement géographique, des problèmes relatifs à la faible densité de population. Coopérer permet de faire circuler les expériences et les bonnes idées à travers le pays et ses ruralités. En cela, Leader France, après son excellent travail dans le cadre de la PFUE,
a attiré notre attention sur ces enjeux de réseau européen des territoires ruraux engagés dans les groupes d'action locale et dans le programme LEADER. Cet enjeu fait des Lardes un acteur européen des territoires ruraux particulièrement important et efficace. Nous avons décidé de financer à hauteur de 30 000 euros cette candidature de LEADER France à la présidence des Lardes pour valoriser les démarches et les résultats de l'agenda rural, mais aussi pour nourrir nos réflexions opérationnelles à l'avenir. Votre travail est structurant pour la vision des ruralités que je souhaite promouvoir. Vous êtes les moteurs d'une ruralité fière d'elle-même, entreprenante, innovante, qui est un véritable exemple. Je vous remercie très sincèrement pour votre engagement dans LEADER France, et suis à votre disposition avec mon cabinet pour travailler avec vous. Ça sera également le rôle du réseau RENAR, Réseau National Agriculture et Ruralité, ancien réseau rural national, dont nous voulons bien sûr maintenir le rôle d'accompagnant des acteurs territoriaux en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et puis mon secrétariat d'État à la ruralité, mais aussi avec Région de France. Je vous souhaite de très fructueux travaux, je vous remercie et à très bientôt. Alors, je crois qu'on peut applaudir pour... Alors, Dominique Faure a parlé, et on y reviendra tout à l'heure, de la présidence des Lardes. Peut-être en dire, malgré tout, tout de suite quelques mots avant de parler de l'intervention de LEADER France sur le rapport de la Cour des comptes européenne. Dominique Faure a parlé des Lardes, Hélard Thibault, et puis peut-être Irène, je ne sais pas, souhaitera intervenir sur cette présidence. Alors sur la présidence des Lardes, effectivement, la chance que nous avons est de présider le réseau à partir du 1er janvier 2023. Ouais. Donc pour les années 2023-2024, théoriquement, peut-être 2025, car les statuts prévoient une présidence de 2 ans avec une année supplémentaire qui est souvent actionnée. Néanmoins, nous nous engageons pour 2 ans à la présidence des Lardes, donc 29 réseaux nationaux, puisqu'il y a des pays du voisinage de l'Union européenne qui mettent en place la démarche LEADER, et notamment la Serbie, que je salue à nouveau. Et puis 2600 territoires ruraux qui sont représentés par ces 29 réseaux nationaux. Donc 2600 territoires ruraux qui déploient le programme LEADER dans toutes les régions de l'Union européenne et des pays du voisinage. Donc pour nous, c'est un beau challenge. Ouais. C'est un beau challenge puisque nous voulons renforcer le réseau des GAL européens et permettre qu'il y ait davantage de rencontres entre les groupes d'action locale des différents pays pour favoriser, et notamment en début de période de programmation, nous le ferons pour favoriser la coopération transnationale. C'est un sujet que nous défendons à LEADER France. Nous voulons aussi continuer, comme l'a fait notre prédécesseur, notamment la Suède avec Marion Eckart, continuer à représenter les groupes d'action locale, leurs réseaux nationaux auprès des institutions européennes dans le cadre de cette préparation des politiques communautaires. Et puis en début de programmation, nous voulons être proactifs en termes de simplification, parce que si la France est championne en termes de complexité administrative, ouais, il y a d'autres pays qui sont quand même aussi sur le podium. Ouais. On n'est pas tout seul, il y en a d'autres. C'est rassurant. Il y en a qui font beaucoup mieux, puisqu'on est 21e sur 26 pour le déploiement du programme LEADER. Mais il y a aussi certains pays ou certaines régions, puisqu'en Allemagne avec les Länder, vous avez des Länder où c'est très fluide, ouais, et des Länder où c'est très complexe. Donc on doit aussi travailler à cette simplification. Et puis on veut aussi renforcer le lien entre les groupes d'action locale, ouais, et leur fédération européenne. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut respecter évidemment les réseaux nationaux qui constituent Elard, mais que Elard doit aussi davantage s'adresser aux groupes d'action locale. Et alors comment on va les associer d'opinion. Ben notamment enfin, pour comment des, on imagine pour des enquêtes, les associer. Pour des enquêtes d'opinion, pour des sondages qui permettent de renforcer notre poids. Lorsqu'on vous interroge de façon numérique sur l'avancement du programme, sur les difficultés que vous rencontrez, etc., ce sont des informations qui nous arrivent brutes, sans aucun filtre, et que l'on peut ensuite digérer et utiliser
pendant les rencontres dont on parlait tout à l'heure, ouais. Ministère, Commission européenne, mmh. etc. Donc on a besoin de prendre la température du terrain. Aujourd'hui, les outils numériques le permettent de le faire très facilement. Hein. Avec une enquête en quelques clics, on peut savoir ce qui se passe dans les différents États membres. Et donc on veut renforcer le lien entre la Fédération européenne et les groupes d'action locale. D'accord. Alors tout à l'heure, Irène nous a parlé du rapport sur la cohésion européenne. Il y a un point qu'on n'a pas abordé avant de continuer cette année, ce retour sur l'année 2022, c'est le rapport de la Cour des comptes européenne et donc l'intervention de Leader France dans ce rapport. Alors pour la petite histoire, lorsque le rapport est sorti, nous étions à Bruxelles avec Alexis, en train de prendre un café devant le Parlement européen. Et je dois dire que le café est très mal passé lorsqu'on a lu le rapport de la Cour des comptes européenne, surtout à la première lecture. C'est-à-dire qu'après, on a pris un petit schnapps et puis on a fait une deuxième lecture. Ça a détendu l'atmosphère. Parce qu'à la première lecture, on s'est rendu compte qu'en fait, la Cour des comptes n'avait rien compris à l'esprit de Leader, puisqu'elle critiquait la difficulté et le coût de la mise en œuvre du programme, en comptant comme un coût de mise en œuvre les postes d'animateurs et de gestionnaires qu'il y a dans les territoires. Ouais. Alors que pour nous, ces postes, ce ne sont pas des postes de gestion de leader, c'est bien des postes, si tant est qu'on en ait le temps avec les difficultés administratives, ce sont bien des postes de développement local. Et aujourd'hui, une des difficultés les plus importantes qui est soulevée dans les territoires ruraux, c'est le manque d'ingénierie. Or, avec Leader, on finance deux postes d'ingénierie par territoire. Et donc, il était important d'expliquer à la Cour des comptes que vos postes d'animateur et gestionnaire n'étaient pas un coût pour la gestion de Leader, même si dans les faits, en France, les animateurs et les gestionnaires sont quelque peu accaparés par la gestion administrative du programme. Du programme. Donc nous avons voulu avoir une contribution et après, en fait, en relisant le rapport de la Cour des comptes, on s'est en fait rendu compte qu'elle tirait la sonnette d'alarme, comme nous, sur un certain nombre de sujets, et notamment la complexité de mise en œuvre, ouais. et que donc ce rapport, au contraire, pouvait nous aider à argumenter le D'accord. fait qu'il fallait simplifier et remettre de la fluidité dans Leader. Donc nous, ce qu'on a défendu par notre prise de position de Leader France, qui a ensuite été reprise par Elard, c'est l'importance de l'ingénierie territoriale et de ne pas le voir comme un coût de fonctionnement, ouais. mais comme un investissement mmh. dans les territoires. L'importance de voir Leader comme un programme de développement rural et non pas comme un fonds européen. C'est-à-dire que, pas à vous que je vais le dire, mais quand on fait du Leader, on ne distribue pas une subvention, on fait vivre un programme européen de développement rural avec ses fondamentaux. Et puis, je pense que ce rapport, et ça va être un gros travail de la présidence française d'Elard, nécessite qu'on se mette d'accord avec la Cour des comptes, avec la Commission, avec le Parlement, sur des indicateurs spécifiques de Leader pour pouvoir avoir une vraie évaluation de l'impact du développement local par les acteurs locaux dans les territoires ruraux et notamment les territoires qui sont les territoires les plus à enjeu. Donc ça va être un gros travail dans le cadre des larmes, c'est de se mettre d'accord sur un référentiel d'évaluation ouais. pour qu'on puisse vraiment évaluer Leader à travers le développement local par les acteurs locaux et pas uniquement à travers la distribution de FEADER. D'accord. Très bien. Alors je vais demander peut-être à Irène, si elle est toujours là, si elle a envie, avant qu'on passe à l'étape suivante, d'avoir une petite intervention après tout ce que vous venez d'entendre, Irène. Je suis complètement en phase avec ce qu'a dit Thibault, donc je ne vais pas dire la même chose, je vais juste peut-être complinter. Tout ouais. d'abord, sur l'importance d'avoir une présidence française à Elard, c'est très important pour deux raisons supplémentaires. La première, c'est qu'on peut voir au niveau européen qu'on peut avoir des conflits nord-sud ou des différences culturelles nord-sud, ouest-est, et à un moment donné, la France est perçue comme l'Allemagne, comme un pays riche, et la ruralité, ça peut être vécu différemment par d'autres pays. Donc le fait d'avoir une présidence française pour que on se rappelle bien que les zones rurales sont face à exactement les mêmes problèmes dans toute l'Union, qui sont en gros des gros territoires avec beaucoup de potentiel environnemental et climatique et des difficultés pour générer beaucoup de moyens, d'où l'importance d'avoir des territoires organisés autour de leurs forces vides. Et ben, c'est magique d'avoir la France qui préside en ce moment même Elard.
Pourquoi en ce moment même? Parce que on apprend aussi de nos erreurs, je pense, au niveau européen. On sort d'une période où à chaque fois il y avait un problème, on créait un fonds avec des règles différentes. Maintenant, en fait, on se rend compte qu'il y a le FSE pour tout ce qui est l'accompagnement social, le FEDER pour tout ce qui est l'accompagnement sur l'investissement et le FEADER qui va pouvoir venir dans la ruralité. Mais l'ensemble de ces fonds doivent pouvoir tous ensemble abonder au sujet de la ruralité. Ça veut donc dire que par rapport à la crise énergétique, on a des priorités qu'on vient de voter au travers d'un outil qui s'appelle Repower, qui n'est pas encore passé en trilogue. Donc, où dans notre union, allons-nous développer rapidement des capacités de production de nouvelles énergies rapidement? C'est sûrement pas en ville. Hein. Donc, c'est important qu'au niveau de cette présidence d'Elard, eh bien, ça permette de remettre en haut de la pile le fait que les territoires ruraux sont des territoires de solutions pour les enjeux que nous avons auxquels nous avons à faire face. Pareil sur la souveraineté alimentaire, notre groupe politique propose que nous créions une sous-commission souveraineté alimentaire. Bah, si on déploie une nouvelle chaîne alimentaire relocalisée en Europe, c'est sans doute dans les territoires ruraux que ça va se passer. Du coup, je suis bien entendu complètement en accord avec ce que Thibaut et Alexis, n'oublions pas Alexis, ont fait parce que sur le rapport de la Cour des comptes, parce que en fait, les hommes qui permettent au fonds européen de toucher les porteurs de projets, dans le cas de Leader, c'est vraiment au service d'une stratégie locale de développement pensée par des acteurs locaux. Donc, ce ne sont pas des charges, ce sont des facteurs clés de succès de politiques réussies. Et c'était important qu'il y ait cette réaction. Je vais d'ailleurs prendre un exemple au niveau du Parlement européen. En ce moment, à chaque fois qu'on parle de solutions à travers des budgets, tout de suite, on met des réserves justement pour l'ingénierie. Donc, ça veut dire que Leader, en ayant ces forces vives au service du développement local, est complètement en phase avec ce qu'on devrait faire. Et donc, je suis contente qu'on puisse essayer de le faire ensemble. Super, merci beaucoup. Alors on va continuer cette Assemblée Générale avec un souhait particulier, c'est notamment de mettre en avant tous les partenariats qui sont mis en place par Leader France. Des partenariats sans lesquels, justement, ces territoires de solutions, sans doute, n'arriveraient pas à s'exprimer de la manière dont ils s'expriment aujourd'hui. Et pour évoquer un certain nombre de partenariats, je vais demander justement, Irène, en parler à Alexis, de nous rejoindre ici, à Emmanuel Thoiry de nous rejoindre aussi et à Didier Duboisset de nous rejoindre effectivement sur la scène. Alors, je vais présenter Emmanuel Thoiry. Emmanuel Thoiry, vous me corrigerez Emmanuel hein, si j'en oublie ou si j'en ajoute, mais en tous les cas, c'est notre partenaire CNFPT parce qu'on va parler de formation. Emmanuel donc fait partie de l'Institut national des études territoriales et notamment chef du service des spécialités management Europe et international communication système d'information. Voilà, avec un parcours international et dans l'Est de la France, notamment à Strasbourg et à Nancy. Je n'ai rien oublié, Emmanuel, ou presque rien. Et puis Didier Duboisset. Didier Duboisset, que vous connaissez parce qu'il est à la fois administrateur de Leader France et administrateur de ALDA, qui est un partenariat qui vient de se développer cette année. Alors, parler de formation et notamment un retour sur les formations CNFPT. Alexis, pourquoi ce partenariat? Je vais vous demander, oui, il y a deux micros, donc vous passez les micros. Il fut un temps, on n'aurait pas pu le faire, là, profitons-en, on peut tous se permettre. Donc, pourquoi ce partenariat, Alexis? Alexis, je ne t'ai pas présenté. Tout le monde connaît le secrétaire général de Leader France. C'est bien ça? Qui ne connaissait pas Alexis?
Désolé, alors franchement, voilà. Donc Alexis, effectivement, Alexis Lebras, qui est le secrétaire général de Leader France. Merci Bruno, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas eu le temps ou pas pu saluer. Donc effectivement, cette idée de formation, elle est partie d'un constat simple. C'est qu'on avait organisé par le passé plusieurs journées d'échange, journées thématiques, qui étaient des journées plutôt d'information, de sensibilisation et d'échange. Et on était contacté par l'EGAL pour dire on a besoin de formation, ouais. Au-delà de ce que proposent les autorités de gestion, qui sont des formations plus sur des aspects très techniques comme les aides d'État, les marchés publics. Mais on a besoin de journées un petit peu de formation sur la sensibilisation à différents montages, sur le montage de projets, mais également aussi d'aller pousser un petit peu plus loin avec les thématiques comme l'évaluation, la communication qui sont spécifiques à Leader, mais également aussi sur cette période de transition sur la construction et de la nouvelle stratégie. Et on avait rencontré à l'époque Benoît Catala, donc qui était ton prédécesseur au CNFPT, et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à monter avec le CNFPT pour permettre que ces formations soient reconnues pour l'EGAL, et ça c'est un point important, qu'elles soient reconnues dans leur cursus professionnel. Et on est parti de ce constat et on a lancé l'idée et ça a très bien pris. Alors justement, ça a très bien pris. Emmanuel, nous dire quelques mots sur les sessions 2021-2022. C'était quoi ces modules de formation? Comment les choses se sont passées? Et puis je crois, comme vous avez eu l'occasion de me le dire, que c'est encore pour certaines sous forme d'expérimentation. Nous raconter ce lien avec le CNFPT et ces formations inventées. Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, Alexis a déjà présenté tout le programme, ou en tous les cas, les grandes lignes. En effet, nous sommes au début d'un partenariat avec Leader pour justement appuyer les collectivités territoriales. C'est notre public cible. Je suppose que dans la salle, il y a, outre les personnels d'EGAL, à l'intérieur de ces personnels d'EGAL, des agents des collectivités territoriales. Et notre mission, c'est d'être au plus près des territoires pour accompagner justement les acteurs de développement local sur ces thématiques d'ingénierie. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Trois modules de formation ont été lancés. Alors nous sommes un partenaire récent, hein, puisque ouais. Nous avons 12-18 mois, on va dire, de coopération, en tous les cas, sur le champ de la formation, avec trois modules. Un module sur l'animation, le montage de projet, un module sur l'animation territoriale et un module sur l'évaluation et la communication des projets leaders. Alors, combien de personnes ça a touché? Combien de GAL ou combien de territoires? Comment les choses se sont passées? Alors, je vais peut-être laisser Alexis sur le nombre de GAL. Alors, depuis qu'on a fait la formation, on est à peu près sur, on va dire, 80 personnes qui ont été accompagnées. Parce qu'on avait construit ça avec l'idée d'en faire un cursus. C'est-à-dire de ne pas se limiter à une formation coup par coup, mais bien qu'un animateur ou une animatrice puisse avoir les trois formations qui étaient à un mois d'intervalle et pouvoir bénéficier d'un cursus, et notamment pour les nouveaux animateurs et nouvelles animatrices, puisque on s'est rendu compte que quand on arrive dans l'univers Leader, beaucoup de fois, on n'a pas de formation, on ne connaît pas. Beaucoup d'entre vous sont arrivés et ont dû découvrir sur le tas. Donc l'idée, c'était de les accompagner à travers ce cursus. Donc on a eu beaucoup de personnes qui ont assisté à ces trois formations, et je vois beaucoup de personnes dans la salle qui justement ont été à Strasbourg, à Reims, pour faire ce cursus. Donc on est à peu près sur 75 personnes, mais c'est, encore une fois, on a commencé ce lancement avec une session à Strasbourg, on l'a poursuivi, et on va poursuivre l'année prochaine, avec une année d'autant plus importante, puisque ça va être la nouvelle programmation. Ouais. Donc qui dit nouvelle programmation, dit autant de personnes à accompagner, et autant de territoires à accompagner à partir de 2024. Alors justement, on parle de Strasbourg, on parle de Reims ou de certains lieux. Comment ça s'organise au niveau du CNFPT pour répondre à la demande et comment les choses vont se déployer au fur et à mesure selon le succès de ces premiers modules mis en place? Voilà, en effet, on a essayé d'expérimenter ce parcours de formation, comme m'a dit Alexis. L'idée étant d'arriver à irriguer l'ensemble des territoires. Le CNFPT, c'est 100 antennes départementales, ouais. 13 délégations régionales, 10 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire. Et je n'oublie pas les territoires d'outre-mer. On a nos 5 régions, qui est d'ailleurs une perspective d'avenir pour le CNFPT. On attend toujours la date pour la Guadeloupe, d'ailleurs. Pardon ? On attend toujours la date pour la Guadeloupe. L'avion est sur le tarmac.
ça part tout de suite. Ça y est, c'est parti. Donc 11 000 lieux de formation, ce qui veut dire que l'idée, c'est d'arriver à avoir la même démarche que Leader France, d'être au plus près des acteurs locaux, au plus près des acteurs du territoire, pour développer ces modules de formation et contribuer modestement à apporter notre petite pierre à l'édifice de cette construction européenne qu'on appelle tous de nos voeux. Alors justement, pour le CNFPT, pour l'INET, c'est quoi l'intérêt de travailler à une formation, à un tel partenariat? Le CNFPT, c'est d'abord la maison du service public, la maison des territoriaux, au sens large, hein, pas simplement les agents titulaires de la fonction publique, mais aussi l'ensemble des acteurs, et les GAL en font partie, hein, dans leur grande diversité. Donc c'est ça, l'idée du CNFPT, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice, hein, de cette construction territoriale, de l'animation des territoires, de l'émergence des territoires, qu'ils soient en métropole, encore une fois, ou en outre-mer, pardon. Alors, un petit message à donner. Est-ce que vous avez envie, vous, Emmanuel, suite à cette expérimentation, déjà de nous parler un peu de l'avenir, et puis nous donner votre, ce que j'appelle, message des messages, c'est-à-dire le truc que vous avez envie de faire retenir aux GAL qui sont là en face de nous cet après-midi en termes de formation? Alors, en termes de formation, déjà pour 2022, c'est le déploiement de ces modules de formation sur une grande partie des territoires. Les prochains, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, et puis mercredi après-midi, nous aurons une réunion avec Alexis, avec la Guadeloupe, pour développer, ce sera la deuxième réunion, pour développer les modules de formation sur les territoires d'outre-mer, avec la spécificité propre à ces territoires. Et puis, deuxième axe de coopération envisagé avec Leader, c'est non seulement l'accompagnement des acteurs locaux, mais l'accompagnement aussi des formateurs, pour demain être aussi des démultiplicateurs sur le territoire et former, donc monter en quelque sorte, des modules de formation de formateurs sur l'ensemble du territoire. Et puis, troisième axe, développer des ressources formatives, puisque crise sanitaire oblige, en tous les cas, les souvenirs que nous en avons, c'est qu'on a développé les formations à distance. Donc ouais. L'idée, c'est d'arriver à compléter notre offre de formation par une offre de service avec Leader. Nous travaillons d'ailleurs avec Alexis sur cette démarche-là de formation à distance, pour éviter justement qu'il y ait trop d'avions dans le ciel et qu'on accompagne nous aussi la transition écologique. D'accord. Avec nos petits moyens. En faisant des formations hybrides. D'accord. Alexis, quelque chose à ajouter? Moi, j'ai un petit message pour aussi dire que ces formations, c'est aussi une manière, et je remercie notamment François, Joao, Miguel qui sont ici présents, puisque ces formations, elles sont assurées non pas que par les équipes de Leader France, mais par des animateurs gestionnaires qui, au quotidien, travaillent dans notre réseau et qui s'engagent dans notre réseau. C'est aussi une on continue à être dans la mise en réseau, dans le partage d'expériences. Et je les remercie vivement de nous accompagner, que ce soit à Strasbourg, à Reims, à Alexandra également, qui nous a accompagnés. Donc c'est aussi, voilà, on est toujours dans cette philosophie Leader qui est la mise en réseau, de la coopération et de partage. Et je tiens à les remercier ouvertement devant tout le monde là pour le temps passé, parce que c'est beaucoup de temps aussi de préparation. Ouais. Et merci beaucoup à vous. Et donc Miguel, François, Alexandra, Justine, mais également d'autres. Et l'année prochaine, on va renouveler l'opération, puisqu'on a déjà proposé à d'autres animateurs de notre réseau de pouvoir intégrer cette dynamique. Donc Michael, hein, tu es le bienvenu, notamment parce que tu es en face de moi. Donc voilà, donc c'est aussi une manière de travailler aussi, de continuer le travail avec le groupe expert de Leader France et avec les GAL. D'accord. Alors justement, qui sont les formateurs, brièvement, excepté ceux dont vient parler Alexis, qui sont les formateurs au CNFPT qui sont intervenus dans ces formations? Alors sur cette question, je laisserai répondre Alexis, mais sur le profil des formateurs, c'est finalement l'ensemble des personnes intéressées par la transmission d'un savoir, la transmission d'un savoir-faire, d'une expertise. Et là, Monsieur le Président le disait tout à l'heure, 154 participants, 156, puisqu'il y en a deux debout, c'est 156 formateurs potentiels. C'est ça. Donc la maison CNFPT est d'abord la vôtre, et nous vous accueillons avec grand plaisir pour animer ces modules de formation sur le territoire, y compris les territoires d'outre-mer, dans le même avion qui partira avec Monsieur le Président. Parfait. Thibault, envie d'ajouter quelque chose sur la formation?
Mais dire que c'est très important de pouvoir avoir ce partenariat avec le CNFPT parce que le CNFPT, c'est une institution reconnue pour son sérieux et sa compétence et qu'il y a vraiment un enjeu de faire monter les gestionnaires et les animateurs en compétence, notamment celles et ceux qui arrivent, qui débutent. Moi, quand j'ai commencé comme animateur leader en 2008, je vais parler comme un vieux con là, hein, quand j'ai commencé comme animateur leader en 2008, mon prédécesseur m'a accueilli trois quarts d'heure dans son bureau. Il m'a montré les piles de papier qu'il appelait des dossiers. Il m'a montré ses documents Excel auxquels je ne comprenais rien. Et il est parti. Voilà ce qui a été ma formation d'animateur leader. Donc, du coup, effectivement, ça me semble important de pouvoir accompagner. Et puis, aussi, d'attirer des nouveaux profils. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu, recruter des animateurs et des gestionnaires leaders, c'est très compliqué. Parce que nous sommes en concurrence avec d'autres dispositifs qui recrutent les mêmes profils. Je pense à des dispositifs comme Petite Ville de Demain, etc. Qui, moi, ma responsable Petite Ville de Demain à la mairie, c'est une ancienne gestionnaire leader que j'ai piqué au GAL, donc je suis bien placé pour parler. Donc on a une concurrence sur ce type de profil. Et donc, du coup... il est important qu'on puisse former de nouvelles générations. Et donc, en plus du partenariat avec le CNFPT, il y a aussi un certain nombre de partenariats qui sont en train de se monter avec des universités qui préparent des jeunes à des masters 2 d'affaires européennes, on notamment y reviendra tout à l'heure, pour les sensibiliser à leader. Donc, c'est un tout. Alexis, envie d'ajouter quelque chose avant de passer au partenariat suivant où tu te réserves sur les questions liées justement aux universités. Juste pour dire que c'est toujours un plaisir de ces moments-là, parce que j'ai la chance de participer à ces moments-là, et c'est toujours un plaisir d'échanger. Et c'est aussi ce qui nous permet, nous, à Leader France, c'est toutes ces remontées de terrain qu'on a aussi dans ces formations. Et ça, c'est toujours un plaisir, et on se nourrit de ça. Et notez aussi que on est toujours dans l'innovation avec Emmanuel, c'est-à-dire qu'on est prêt à toutes les idées. Là, on est parti sur des cursus avec les attentes, mais ces formations, elles vont évoluer avec la programmation. En tout cas, c'est notre volonté pour répondre au quotidien vraiment à ce que vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi vos besoins. Et c'est comme ça, après, que nous, on va pouvoir proposer. Et les Outre-mer, on ne vous oublie pas. On travaille activement dessus. Ce n'est pas toujours simple. Mais il y aura cette formation en Guadeloupe spécifique aux Outre-mer. C'est cette capacité à donner en permanence, finalement, les dimensions et de l'innovation et de l'expérimentation. Tout ça remontant du terrain. Ok, super. On peut applaudir quand même tout ce qu'on a évoqué entre ceux qui forment, ceux qui sont présents et ceux qui sont là. Merci beaucoup à vous. On va parler d'un autre partenariat que vous souhaitiez mettre en avant. C'est celui mené avec ALDA. On avait eu l'occasion, justement, au mois de mars, d'avoir une présentation à ALDA et puis d'une des actions qui étaient menées avec ALDA. Didier Duboissé, vous êtes, vous, membre du conseil d'administration de Leader France, je le disais tout à l'heure, et de ALDA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est ALDA ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vrai que ce passage en Bretagne, c'est un passage extraordinaire. Ça a marqué les esprits. Et pour ça, on reviendra. D'ailleurs, ALDA est revenu. ALDA, c'est une association. Je recommence. Est une association européenne qui a été créée en 1999. Son but, c'est promouvoir, aider au développement de la démocratie locale. Aujourd'hui, nous sommes dans plus de 40 pays. Nous avons 90 projets européens toujours au feu. Nous avons des actions quasiment dans une Europe très élargie, puisque nous allons aussi de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple. Et nous avons un partenariat fort qui s'est établi avec Leader France grâce à des contacts divers et variés, mais peut-être aussi un peu. Mais donc, ce partenariat, il est prometteur parce que nous débutons nos relations et nous avons des intérêts communs. Donc voilà ce que c'est ALDA. ALDA, c'est du terrain, mais toujours en pensant aux hommes, aux femmes, à la démocratie. D'accord, du terrain donc. Et quel premier projet vous avez, donc Thibault et ALDA, Leader France et ALDA, développé en 2022 ? En fait, l'intérêt de travailler avec ALDA, c'est que ALDA est une grosse association, hein, 50 ETP de tête, qui couvre donc l'Europe au sens pan-européen du terme, et qui a une grande connaissance de la mobilisation des programmes européens, notamment des programmes qui sont gérés directement par la Commission. Et donc nous nous sommes intégrés un petit peu
en cours de route un programme qui s'appelle le Climate of Change, qui a vocation à sensibiliser sur les changements climatiques. Et là, nous sommes en train de déposer avec ALDA et un grand nombre de partenaires européens un projet dans le cadre du programme DEAR de la Commission européenne sur la question de la gestion de l'eau. Et donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir s'adosser à cette grosse structure qu'est ALDA et sa capacité à mobiliser des programmes européens pour ensuite pouvoir en faire bénéficier les groupes d'action locale. Donc par exemple, sur ce programme DEAR, nous aurons à constituer en interne à Leader France un groupe d'action locale qui travaille sur les questions de petits cycles de l'eau, de grands cycles de l'eau, de préservation de la ressource, etc. Donc du coup, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir, via Leader France, vous accrocher à des travaux beaucoup plus larges sur des thématiques qui concernent les territoires ruraux, bien évidemment. Et à l'inverse, pour ALDA, on apporte avec Leader France et avec Elard justement cette approche territoire ruraux, alors que ALDA avait une très grosse représentation, notamment dans les milieux urbains. Et le nom aujourd'hui d'association locale pour la démocratie n'est plus tout à fait adapté, puisqu'en fait ALDA travaille sur toutes les questions de démocratie locale, mais aussi de développement local. Et c'est pour ça que nous, avec le DLAL, on se retrouve dans ces démarches. D'accord. Un petit complément, tout simplement, par rapport à cette pétition internationale qui a été présentée à la présidence de la Commission européenne lors de la COP27 la semaine passée. Cette pétition qui était concernée donc la défense du climat par les jeunes gens qui habitent notre terre, eh bien, elle a été signée par plus de 100 000 personnes. Donc nous avons un grand succès et nous avons plaisir à dire que grâce à Leader France, on a pu augmenter le nombre de personnes qui sont non pas seulement concernées, mais qui ont pris part à cette signature. Voilà, donc c'est une des actions. Il y a aussi une action à laquelle qui s'est déroulée chez toi à nouveau concernant le. J'ai quelques notes. Le soutien opérationnel de la Commission dans le cadre du CERV. Donc, qui s'est passé chez toi, d'après ce que l'on m'a dit. Donc, mais je n'étais pas, chez toi. Ah, vraiment. Donc, et Thibault ne se souvient pas non plus. Non, mais c'était. Mais c'était chouette. Au mois de septembre, c'était bien. Avec l'association des maires de Côte d'Armor. Ah. T'es bien ouais, un peu maire. Je ne voyais Côte pas d'Armor. Le rapport avec CERV, mais c'était effectivement une formation pour les élus locaux, pour les aider à mobiliser les fonds européens. Merci Didier. Non, mais j'ai mes informations. Les bonnes informations. Donc, et le projet d'éducation au développement durable, il est très important parce qu'il concerne là aussi tout le monde. Et donc, l'ensemble des GAL de France et européens peuvent être concernés, peuvent trouver des moyens d'agir. Donc, ce qui est intéressant à dire, peut-être... Et à retenir, justement, par rapport à ce partenariat. Voilà, par rapport à ce partenariat, parce que je ne veux pas être trop long parce que le temps passe, c'est que nous, dans le partenariat, on a trouvé des experts auprès de Leader France et les GAL locaux, des gens qui connaissent bien leur terrain, qui sont volontaires et qui s'engagent. Donc pour nous, au niveau d'ALDA, c'est exactement ce dont on a besoin, du terrain et des gens qui s'engagent pour la démocratie. La démocratie, elle a 1000 actions possibles, mais il faut agir. Donc merci pour ce partenariat et ces perspectives d'avenir. D'ailleurs, avec la Serbie, je crois qu'on va trouver quelques pistes de convergence. Au sein du conseil d'administration d'ALDA, j'ai une collègue serbe qui est présidente d'une ONG et donc très active. Et ça sera un plaisir de mettre en contact ces différentes personnes. Et je terminerai mon intervention. C'est parfait. Il m'a dit l'autre jour au téléphone, vous êtes un peu bavard. Il a osé le dire ça, moi. Quelle audace. Quelle audace. Donc simplement, la semaine prochaine, nous sommes en Pologne au niveau du conseil d'administration d'ALDA. Nous sommes à Wrocław et nous avons donc un conseil d'administration le jeudi. Et le vendredi, nous avons une participation à une conférence européenne pour soutenir la remise en forme, la remise en état de l'Ukraine. Puisque Wrocław était un des partenaires d'ALDA et nos partenaires ukrainiens, en ce moment, ils sont... Vous le savez, très, très, très bousculé, si je me permets ce terme. Donc, on va là aussi accompagner la reconstruction de la démocratie dans ces pays ravagés. Donc voilà, c'est un tout petit peu d'ALDA. Alors, n'hésitez pas à aller voir le site Internet, vous découvrirez 1000 choses. Et je suis sûr qu'autour de vous, dans les territoires, il y a des actions qui sont peut-être déjà en lien.
Parfait, voilà un beau partenariat. Je pense qu'on peut allègrement saluer ces deux partenariats du CNFPT et de ALDA. Merci beaucoup Didier, merci Emmanuel. Et puis on va continuer à parler partenariat. Et Thibault, je vais vous poser quelques questions pour continuer à parler du partenariat avec l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Merci beaucoup. Ouais, vous n'avez pas été trop bavard. Hein, c'était... Non, c'était top. Merci beaucoup. Et donc, oui, l'ANCT. L'Agence nationale de cohésion des territoires. Et je salue Véronique Ménès qui est présente. Qui absolument. Et qu'on verra tout à l'heure. Pendant la table ronde. C'est un partenariat que nous avons signé l'année dernière lors de notre assemblée générale à Troyes avec Caroline Cailleux, la présidente, devenue depuis ministre en charge des collectivités territoriales. L'objectif de ce partenariat, il est à trois niveaux. D'abord, mobiliser les fonds européens dans les territoires ruraux, toujours notre leitmotiv. Valoriser les actions innovantes en milieu rural. Et donc, l'ANCT participe au financement des prix leaders pour l'innovation et l'expérimentation en milieu rural que nous aurons tout à l'heure. Et puis, la mobilisation et la mise en réseau des acteurs du développement rural, de leaders, mais plus largement au sein du réseau rural national, de l'ensemble des réseaux. Et donc, à ce titre-là, nous avons la chance d'être appuyés par une VTA que je vous présenterai tout à l'heure parce que je ne la vois pas. Ah bah si, elle était de dos. Mais je vous présenterai toute l'équipe tout à l'heure. Et donc Adeline a rejoint l'équipe en VTA et elle est particulièrement chargée de travailler avec l'ANCT. Donc d'un côté, former les équipes de l'ANCT, les chargés de projet Petite Ville de Demain, etc., au dispositif leader. Et à l'inverse, vous proposez à vous, gestionnaires et animateurs leaders et élus de GAL, des formations sur les dispositifs de l'ANCT. En gros, c'est comment est-ce qu'on rapproche les dispositifs nationaux avec les dispositifs européens et comment on peut notamment créer des synergies entre les petites villes de demain, qui sont souvent les bourgs-centres de nos groupes d'action locale, et puis les stratégies leaders. Alors, autre partenariat à valoriser, enfin que vous souhaitiez valoriser cet après-midi, c'est ceux avec l'AMF, la FCCRE et la Commission européenne. Effectivement, en amont du séminaire européen leader dans le cadre de la PFUE à Pleuc-l'Hermitage, nous avions sur organisé... Sur les communes des Côtes-d'Armor. Voilà. Non, plus belle commune de France. Oui, pardon. Hexagonale. Ah, hexagonale. Quelle erreur. Nous avions organisé une formation pour les élus locaux, les agents territoriaux, en profitant de la présence de tout le monde. Et nous avions donc autour de la table l'Association des maires de France, l'Association française du Conseil des communes et des régions d'Europe, la Commission européenne et sa représentation permanente. Et donc, nous nous sommes dit que finalement, ce format était assez intéressant pour former les élus à la mobilisation des fonds européens, puisque nous avions la Commission qui donnait une image macro, une information macro. Nous avions la FCCRE et l'AMF pour tout ce qui concernait les dispositifs européens en France, et puis Leader France sur ce programme spécifique qu'est Leader. Et donc j'ai proposé au président David Lisnard, le président de l'AMF, de pouvoir multiplier ce type de formation dans les territoires. D'accord. Et donc nous allons organiser à partir du mois de décembre normalement un tour de France des régions au sens historique du terme, avec donc l'AMF, la FCCRE, la Commission européenne et Leader France, pour organiser sous l'égide des associations départementales de maires, des formations pour les élus locaux sur comment mobiliser les fonds européens. Parce qu'on s'est rendu compte que sortie de Leader, les élus locaux ne connaissaient pas bien les fonds européens, ils ne savaient pas comment les mobiliser. Ils ne savaient pas forcément que pour avoir du FEDER, il faut aller voir le conseil régional, pour avoir du FSE, il faut aller voir le conseil départemental, qu'on peut bénéficier de programmes Erasmus+, formation tout au long de la vie pour les agents territoriaux, que l'on peut accueillir des services volontaires européens dans nos communes pour faire du bilinguisme avec les enfants dans les écoles, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller présenter aux élus locaux toutes les opportunités européennes qui s'offrent à eux dans le cadre de ce consortium original, qui sera bien évidemment appuyé par Région de France en tant qu'autorité de gestion, ouais, et l'ANCT en tant qu'autorité de coordination des fonds européens. Très bien. Alors, dernier partenariat que vous souhaitiez mettre
en lumière auprès de tous les participants cet après-midi. C'est Alexis qui va avoir la parole. Et c'est un retour sur, justement, on l'évoquait tout à l'heure, le partenariat avec les universités. Alexis, comment ça se passe? C'est quoi ce partenariat? Et où est-ce qu'on en est? Ça part encore d'un constat un peu comme le CNFPT. Et le président en a parlé. Les groupes d'action locale ont de plus en plus de mal à recruter des animateurs et des gestionnaires, ce qui est un énorme turnover. Et on a remarqué que le programme leader n'était jamais, en tout cas, les personnes qui arrivaient en poste sont généralement des personnes qui sortent d'université et qui n'ont aucune expérience. Et c'est des personnes qui ne connaissent pas ou très peu le programme leader, quand bien même ils ont fait des masters fonds européens ou autres. D'où l'idée de contacter l'ensemble des masters qui proposent, les universités qui proposent des masters en fonds européens, en proposant les services de Leader France, en disant nous pouvons intervenir et créer une sorte de module spécifique à Leader dans ces universités. Et on a eu plusieurs universités qui nous ont gentiment répondu, et dont l'université de Rennes, le Cergy Pontoise, Paris-Nanterre, Amiens. Donc pour une première année, c'est déjà pas mal, avec qui on a créé un module de quelques heures de sensibilisation et de présentation du programme leader, mais un module aussi qui va rentrer dans leur cursus, qui va être noté, puisqu'il y a des exercices théoriques, justement, de monter un projet leader sur lequel on les accompagne. Et je remercie d'ailleurs les deux animatrices qui se sont prêtées au jeu, puisqu'on a deux animatrices leaders qui ont répondu aux attentes des étudiants de Rennes. Donc merci Alice qui est présente d'avoir répondu et d'avoir participé. Donc ça permet de sensibiliser au programme leader et aussi de créer des passerelles avec l'égal, puisque j'ai déjà moi 3 étudiants sur 20 qui m'ont demandé pour leur stage de fin d'année de les aider à trouver justement une formation au sein des groupes d'action locale. D'accord, donc super, très, très intéressant. Une dernière chose à dire par rapport justement à ce partenariat avec les universités. Envie d'ajouter un dernier petit point. Alors justement, un besoin. J'invite justement les groupes d'action locale à venir vers nous. On aura des potentiels stagiaires pour alimenter votre début de programmation qui ont déjà une préformation à leader, donc c'est-à-dire qu'ils connaissent un petit peu le fonctionnement. Donc surtout, n'hésitez pas. Il va y en avoir de la demande. Donnez-nous aussi de quoi pouvoir les accueillir, et je pense que ça sera un partenariat donnant-gagnant avec les gars. C'est comme ça qu'on l'a voulu construire. Bon, s'ils arrivent de Paris, il faudra leur fournir des bottes. Alors, Président, une petite précision après avoir balayé ces quelques partenariats et avant de passer à la suite. C'est bon ? On peut tout de suite passer à la suite. Eh bien, on y va. Alors, pour passer à la suite, c'est un retour sur les actions 2022. Et nous avons besoin que nous rejoignent Afidou, Abidi, Madi. Merci de nous rejoindre. Roland Bernigaud et François Galabrin. Et pendant qu'ils nous rejoignent, je vais les présenter. Afidou, Abidi, Madi est vice-président de Leader France pour les Outre-mer. Roland Bernigaud est membre du conseil d'administration de Leader France et référent correspondant régionaux. Et enfin, François Galabrin est lui directeur et coordinateur programme européen Leader et administrateur de Leader France, responsable national du groupe expert. Et donc, il nous vient du GAL de l'Est Audois. Messieurs, merci. On va démarrer Thibault et Afidou, sur la délégation en Guyane. Et Thibault, pourquoi cette délégation et comment les choses se sont passées? Pourquoi? Parce que ça fait 7 ans que je l'avais promis et que je trouvais qu'il était temps de tenir mes promesses. Je tourne vers nos amis guyanais. Non, effectivement, on avait lancé un tour des Outre-mer. On a eu la chance d'aller à La Réunion, on a eu la chance d'aller à Mayotte. Je suis allé dispenser une formation en Martinique, faire une réunion d'un groupe intergal en Guadeloupe. Et il nous restait donc le département de Guyane à visiter. Et en 5 jours, avec Alexis, nous avons visité les 5 groupes d'action locale de la Guyane avec les contraintes de transport en Guyane. C'était donc un programme très soutenu.
Donc nous, on nous avait dit, vous allez voir, la Guyane, vous n'allez pas avoir d'eau courante, il va y avoir des coupures d'électricité, les avions sont pas à l'heure, il y a des moustiques, des grosses fourmis, etc., etc. Et alors ? Eh ben c'est ça. Hein. Il fait, moi, je vous conseille de pas y aller, hein, franchement. C'est ça, en pire. Non, faut surtout pas y aller. C'était terriblement intéressant comme voyage. D'abord, il y a de l'électricité, il y a de l'eau courante, il y a du réseau, il y a quelques moustiques, il n'y a pas de grosses... Araignée quand on va pas dormir en forêt. Et surtout, il y a en Guyane, dans ce territoire enclavé dans l'Amérique du Sud, une vraie dynamique autour du programme Leader qui est vraiment remarquable, avec des acteurs locaux qui travaillent ensemble, acteurs publics, acteurs privés, avec, j'allais dire, parfois le double enclavement, c'est-à-dire l'enclave dans l'enclave, lorsqu'on doit faire une journée et demie de fleuve pour aller à Saint-Georges-de-l'Oyapock ou pour aller à Maripasoula. Et donc, dans les territoires où il y a le plus d'enjeux, souvent, c'est là que les gens se prennent le plus par la main, ouais, et sortent vraiment des projets très intéressants. Les difficultés administratives de gestion du programme, elles existent en Guyane comme ailleurs. Il n'y a pas d'exception, ni mieux ni moins bien. Mais on voit vraiment que la dynamique territoriale, elle est vraiment formidable. Et nous, on a eu un accueil vraiment extraordinaire. Et je voudrais saluer les membres des GAL de Guyane qui sont présents, Monsieur le Président, pour votre présence aujourd'hui. On a vécu vraiment un beau moment en termes de développement local par les acteurs locaux. On sent cette ambiance, on sent cet esprit de leader très loin de la France hexagonale, sur un autre continent. Mais avec des drapeaux européens sur les pirogues sur le fleuve, c'est avec le logo L'Europe s'engage, ça a vraiment, vraiment du sens. Et vous le savez, Afidou prendra le relais après, mais vous le savez, à Leader France, nous avons une attention toute particulière pour les Outre-mer en général, parce qu'effectivement, ce sont des territoires à enjeux, mais où l'esprit leader vit véritablement avec une authenticité exemplaire. Alors justement, Afidou, vous qui êtes fondateur du GAL Ouest Grand Sud à Mayotte en 2016, et puis vous avez accompagné aussi la création des deux autres GAL, puisqu'il y en a trois à Mayotte. Vous êtes, on l'a bien entendu, vice-président de Leader France. Aujourd'hui, en quoi justement cette politique de Leader France est particulièrement importante pour les territoires d'outre-mer ? Merci déjà d'être là. Dobreden. Bonjour à tous et à toutes. Je m'adresse d'abord à nos compatriotes qui sont invités ici, notamment les Serbes. Et chez nous là-bas, on dit Dobreden pour dire bonjour. En Serbie ? En Serbie. Ah, je ne savais pas que tu parlais serbe couramment. Ah oui. Eh bien, en quoi c'est important pour les Outre-mer? Eh bien, d'abord, je voudrais féliciter cher ami président Thibault. On s'est rencontrés à Martinique, ouais, et lors des ateliers, on a échangé. Et au retour, lors de l'assemblée, il m'a demandé de participer d'être membre du CA. Que je lui ai dit oui. Et qu'après, ce n'était pas tout, il m'a proposé d'être vice-président. Et depuis, nous avons. C'est la première fois qu'il y ait un ultramarin dans le CA de Leader France. Il y en a deux maintenant. Et il y en a deux, puisqu'il y a une Martiniquaise, une collègue que je n'ai pas vue cette année. Elle a eu un empêchement. Parce que nous avons un président aussi qui est antillais avant d'être breton. D'accord. Et quand on est antillais avant d'être breton, on pense aussi, on n'oublie jamais ses collègues ultramarins. Parce qu'il a le sang ultramarin. Et donc... Mais ça, c'est vrai. Il a réussi parce que dans le continent, on a un autre mode de vie. Et dans les îles, en général, quelle que soit l'île, anglaise ou française, on a un autre mode de vie. Il a réussi à mettre un peu du punch, parce que le punch coco, là, il n'y a pas meilleur. Et du coup, ça nous a donné envie de vivre dans le leader, parce que pour être dans le leader, on reste toujours devant et on est meilleur. D'accord. Et du coup, dans l'ensemble du territoire, et notamment en Outre-mer, il y a cette ambiance qui fait que...
ça fonctionne mieux que dans beaucoup de territoires à l'Hexagone. J'espère que je ne me trompe pas. Et puis, on aura l'occasion de le réévoquer tout à l'heure. Et puis, remercier le CNFPT, parce qu'on avait eu une réunion en CA pour organiser ce partenariat qui a commencé. Et on vous attend en Guadeloupe et bientôt dans l'océan Indien. Et qu'on a parlé tout à l'heure d'organiser, pour anticiper, d'organiser les formations qui étaient arrêtées, parce que le dernier, c'était en 2018 à Martinique. Quand vous aviez fait l'interdôme, il y a eu, c'est ça ? Voilà, l'interdôme. Ouais. Et puis, il y a eu le corona qui nous a fait très mal, qui nous a séparés et qui a séparé aussi, comme nous l'avons vécu dans nos villages, beaucoup de problèmes, puisque même dans les couples, il y a eu beaucoup de problèmes. Et donc, à partir, depuis 2018, là, l'année prochaine, nous irons en Guadeloupe si tout va bien. Et puis, ça sera dans l'océan Indien en 2024, comme disent chez nous, Inch'Allah. Très bien. Voilà le rapprochement entre l'Outre-mer et l'Hexagone et entre Outre-mer. Et nous vous invitons à venir parce qu'il y a un chanteur de chez nous qui dit il faut être sur place pour savoir ce qui se passe. Allez-y aussi en Outre-mer pour qu'il y ait des échanges, des coopérations, parce que la France est grande avec les Outre-mer. Merci. Super, merci. Je crois qu'on peut applaudir Affidou. Oui. Juste rebondir sur la conclusion d'Affidou qui me paraît très intéressante parce que tu as parlé de coopération. Ouais. Et effectivement, les groupes d'action locale d'Hexagone, on n'y pense pas toujours, mais on a la possibilité de coopérer avec nos homologues des Outre-mer. Et moi, j'ai, entre 2014 et 2020, eu l'occasion de piloter une coopération entre le GAL du pays de Saint-Brieuc en Bretagne, le GAL Orient-Guadeloupe, la partie orientale de la Guadeloupe et l'île de la Désirade, et le GAL mi-pente de l'île de la Réunion sur la question des cultures traditionnelles au sens culturel du terme et des langues régionales. Eh bien, c'était vraiment passionnant. On apprend beaucoup de choses. On se rend compte que malgré la distance, on a beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses à partager. Et donc, moi, vraiment, je vous invite, lorsque vous pensez coopération territoriale, à penser aussi au groupe d'action locale d'outre-mer. Et puis, bon, 2-3 jours de visite d'études à Mayotte, il y a pire. Oui, sans doute. Je voudrais juste compléter, juste une seconde, parce qu'il y a une femme qui n'est pas là, une dame, Françoise, elle est de La Réunion, la directrice de 3E qui accompagne les GAL. C'est cette femme-là aussi qui m'a donné le virus des GAL, de l'Île de France, parce qu'on a été, dès la création des 3 GAL de Mayotte, on est parti à La Réunion, nos cousines, pour aller voir qu'est-ce que se passe, comment ça se passe là-bas. Et à travers elle, elle m'a tellement donné envie d'aimer, parce que tout ce qu'on fait, c'est du bénévolat. Il m'a donné envie d'aimer, parce qu'on va laisser un souvenir dans nos territoires pour l'avenir de nos enfants. Merci aussi à Alexis, super, qui est toujours là pour répondre aux questions des Outre-mer. Merci. Oui, peut-être qu'Alexis a aussi le sang un peu ultramarin, je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Mais en tous les cas, ben, on applaudit effectivement. Merci à Affidou pour ses propos. Alors, on ne sait pas si eux, on le sent ultramarin, mais en revanche, ils vont nous parler de régionalisation à Troyes. François Galabrin, aux côtés d'Alexis, nous parler justement de ces dimensions de la régionalisation. C'est quoi cette régionalisation et quel est ce travail qui est réalisé en groupe? Alexis, François, pour démarrer, et puis Roland, qui nous parlera aussi de cet engagement de Leader France pour la régionalisation. Alors, la régionalisation, c'est quelque chose qu'on parle depuis quelques temps, mais qui est difficile à mettre en place. Encore une fois, là, le constat, on part toujours d'un constat, et le constat est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, les autorités de gestion sont les conseils régionaux, et il y a plus en plus de différences entre les différents programmes leaders dans les différentes régions. Donc, notre fédération, qui a toujours voulu être proche des territoires, veut s'adapter aussi à ce nouveau schéma. Donc, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle la régionalisation de Leader France. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire sous quelle forme on va le faire,
Mais on y travaille notamment avec deux groupes que vont présenter, le groupe des correspondants régionaux et le groupe expert qui est piloté par François. L'objectif, c'est de voir comment on arrive à mettre du Leader France dans chaque région et que le Leader France de chaque région s'adapte aux spécificités régionales, parce qu'il y a des régions qui sont totalement différentes, avec des animations au sein des groupes d'action locale qui sont totalement différentes. Et c'est sur quoi on veut et on va travailler avec la nouvelle programmation qui va arriver et en s'appuyant sur tous les bénévoles, tous les techniciens bénévoles. Et on peut les remercier, je pense, n'est-ce pas François, à tous ces techniciens qui nous accordent du temps pour travailler sur les sujets de fond avec nous et sur cette question. Je vais laisser François pour le groupe expert. Bonjour à tous. On m'a posé la question et puis finalement je me suis dit que j'allais parler de ce qu'on faisait nous en Occitanie. Donc, en Occitanie aujourd'hui on est 36 galles et je pense qu'on n'est pas loin du nombre de galles qu'il y avait à la création de Leader France. Se poser la question de ce qui est difficile à faire finalement c'est plutôt de ce qui est possible de faire. Certes, ça s'est scindé en plusieurs régions, mais finalement, peut-être aussi, c'est retrouver une certaine taille humaine, quelque part, dans les réseaux. Alors, un grand réseau national, ça permet de faire un certain nombre de choses. Au niveau régional, on va pouvoir aller dans la dentelle. Donc nous, finalement, on a un réseau relativement vivant chez nous, en Occitanie. Donc je vais juste à peu près décrire ce que nous, on fait, et puis comme ça sera... un peu plus concret. Donc, comme j'ai dit, nous, on est 36 galles. Voilà. On a commencé par un outil de communication, un forum, finalement, il y avait ce qu'il y avait avant au niveau de Leader France. On est à peu près 90 sur ce forum à quasiment intervenir quotidiennement. On a des outils d'échange, serveurs. On a, par exemple, travaillé pendant la campagne de candidature sur des échanges de différents documents entre les différents galles. Et où un certain nombre étaient volontaires pour poster ce qu'ils étaient en train de faire pour du coup, finalement se comparer, parce que les candidatures aujourd'hui, on savait à peu près tout le monde, on savait à l'avance qui allait être sélectionné, il n'y avait pas un secret, mais ça permettait de finalement tous monter en compétences. On a mis en place une rencontre au moins intergale par trimestre, où on a un ordre du jour ouvert sur lequel on essaie à chaque fois de thématiser. Donc la dernière fois, c'était plutôt sur les questions... De gestion des groupes et de la candidature. La prochaine fois, on commencera à thématiser un petit peu avec des sous-groupes thématiques. Et finalement, ça se fait comme ça. Une session de formation par an. L'année dernière, c'était sur la facilitation graphique et l'intelligence collective. Cette année, en janvier, c'est en train de s'organiser. Ce sera sur les formes d'entreprise adaptées au programme Leader. Voilà, pour accompagner ça. Des contributions collectives, notamment vis-à-vis de l'autorité de gestion sur, en fait, en gros, le leader parfait qu'on entendait. Et aussi un partenariat avec une université, notamment l'université de Montpellier-Lagro. Et d'ailleurs, il y a trois personnes dans cette salle qui sont passées par cette formation. Un, deux, trois là-bas au fond. Il y a l'Occitanie là-bas qui peut lever la main, histoire qu'on la voit. Ils sont tous ensemble là-bas. C'est Laurent Dufond. Mais voilà. Donc aujourd'hui. En tout cas, nous, on a fait ça sans moyens financiers, sur la base du bénévolat. Forcément, c'est plus facile. Sur des contributions, ponctuelles, suivant les demandes. Donc, effectivement, forcément, quand on en arrive à parler d'argent, c'est la question de la structuration. Aujourd'hui, on est peut-être un peu en train de vivre de manière plus libre, indépendante, tout ce que ça entend, mais aussi avec du coup des questions financières différentes et des relations différentes aussi avec les autres régions. Donc la question de demain qui va se poser, c'est comment est-ce que on met en musique toutes ces différentes régions, quelles sont les différentes régions, les relations entre elles et comment elles-mêmes s'inscrivent au sein de la fédération en tant qu'entité indépendante, en tant que groupe projet quelque part au sein d'une même structure. Qui cotise, à quelle hauteur, comment en fait tout ça part. Voilà, ça c'est les questions qui vont devoir être traitées de manière plus précise à la fin. Je sais que les régions ne sont pas toutes avancées du même niveau. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, c'est plutôt relativement avancé. Ce que je viens de décrire, ça se passe déjà là-bas. J'ai côté plutôt Grand Est des sollicitations pour justement aller vers là. Donc je ne connais pas toutes les régions exactement, excusez-moi.
Mais en tout cas, voilà, c'est ça l'idée. Donc un peu chacun en avançant de manière locale, mais aussi avec nous une réflexion au niveau un peu chapeau global pour que du coup, finalement, il y ait de la cohérence dans tout ça et que finalement, on garde des liens relativement forts. D'accord. Et alors, avec un délai, justement, pour avoir cette approche chapeau, cette approche nationale, en se disant, bon, là, il faut qu'on structure les choses pour telle période ou avant telle période. Est-ce que vous avez déjà un objectif à ce niveau-là ? Il y a 2 ans, on avait dit l'année prochaine. L'année prochaine, on avait dit l'année prochaine. Cette année, on va dire l'année prochaine. Et pour le coup, ça va se faire. Ah, voilà. Donc, on va dire 2023. 2023, on devra en savoir. Merci. Comment Roland Bernigaud, les choses se passent justement au niveau du groupe des correspondants régionaux, puisque vous en êtes le référent? Alors, c'est un sujet un petit peu spécial, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Quand vous parlez de référents régionaux, c'est simplement donc les élus. Les élus, qu'ils soient privés ou publics. Alors, si vous voulez, je vais faire comme Alexis, on va faire un petit diagnostic quand même de ce qui se passe sur nos territoires. En fait, on s'aperçoit que les élus, et je demandais à Alexis le nombre d'élus après dans la salle, il m'a dit combien ? Une vingtaine. Et donc, ça veut dire que la représentation est quand même faible, pour moi, hein, par rapport au nombre. Mais ça veut dire que les chargés de mission des GAL sont très motivés. Peut-être plus que les élus sur nos territoires. En fait, nos élus, ils travaillent beaucoup dans les GAL. On est d'accord, hein, ils sont là pour valider les dossiers. Ils sont donc sur une zone géographique très restreinte, leur GAL. Et quand on parle, quand on essaye de monter un petit peu, on s'aperçoit que les présidents de GAL, dans le même département, ne se connaissent pas. Les élus ne se connaissent pas entre eux. J'ai fait ça en tant qu'élu, je me suis aperçu de ça. Alors, au niveau régional, c'est encore moins bon. On n'est pas présent. Et par contre, les élus, on se retrouve au niveau national à Leader France. Donc, secondo, la région, aujourd'hui, qui est autorité de gestion des programmes Leader, a ses propres élus. Donc, les conseillers régionaux. Et en fait, on s'aperçoit qu'il manque en fait un maillon intermédiaire qui est à créer, qui doit être nouveau. C'est ce maillon donc régional. Voilà. Alors pour c'est quoi la solution? Alors, l'objectif, c'est d'apporter justement une nouvelle synergie, de placer des élus au niveau de la région qui proviennent d'égal. On est d'accord, hein, c'est-à-dire c'est pas d'autre chose. Et d'avoir justement des relations avec les élus départementaux et voire régionaux. D'accord. Alors, il faut savoir que ça se fait déjà. Hein, dans notre cas, avec mon collègue Aura Rhône-Alpes Auvergne, on le fait déjà. Dans d'autres régions, ça se fait déjà. On a rencontré les représentants des régions. Voilà, donc ça se passe dans certaines régions. Voilà. Et ça s'est passé ce matin, je crois, au niveau du Pays de Loire, hein, concernant donc la mobilisation. Alors, pareil, l'objectif. Là, alors, c'est pour avoir une structure formalisée par rapport à ce projet. Pour l'instant, si vous voulez, on n'en est pas là parce qu'il faut construire. Alors, l'objectif, c'est déjà savoir pourquoi faire. Si on se réunit, c'est pourquoi faire. Alors, l'objectif, c'est quand même, il y a plusieurs objectifs qui peuvent être là, c'est d'être beaucoup plus impliquer les élus. Hein, et les élus, bien sûr, privés et publics, dans le futur programme. Ça, c'est notre volonté. Alors, quand je parle de notre volonté, c'est la volonté du conseil d'administration de Leader France. Donc, l'objectif, c'est d'informer les présidents, bien sûr, sur tout ce qui touche les évolutions des différents contextes, régional, national, européen, remonter les inquiétudes, les interrogations du niveau local au niveau régional et voire au niveau national, construire des partenariats avec les élus de la région et, bien sûr, les partenaires institutionnels. Et bien sûr également s'assurer du bon fonctionnement du futur programme. Alors, tant aussi bien dans sa méthodologie, dans son contenu, que dans ses principes. Parce que je pense que c'est aux élus à vérifier que tout se passe bien. Alors, les moyens à mettre en œuvre pour répondre à votre question. Rapidement. Voilà, rapidement. C'est qu'en fait, nous avons décidé au niveau du conseil d'administration de nommer des référents au niveau régional.
Donc ça fait déjà, comme disait mon collègue, on en a parlé il y a 2 ans, on en a parlé l'an dernier à 3, on en parle cette année, j'espère que l'année prochaine ça va être bon. Voilà. Voilà. Et c'est chargé de ces référents régionaux sont déjà désignés par le conseil d'administration. À peu près tous les territoires, sauf un ou deux, de régions. Une ou deux régions ne sont peut-être pas concernées pour l'instant, mais ça va venir. On va attendre la validation des projets. Et en fait, ces référents régionaux seront chargés justement de réunions intergales, qui peuvent être départementales, qui peuvent être, et bien sûr, régionales. Et je dis bien ça, c'est déjà fait dans certaines régions. Voilà. Donc, sur tous les sujets qui peuvent être mis sur la table. Bien. Ensuite, pour finir. Pour finir. Voilà. L'objectif, c'est aujourd'hui, c'est que c'est au niveau de quelques régions. Et l'objectif, le président est à côté de moi, c'est l'objectif, c'est que ça marche sur l'ensemble des régions. Voilà. Donc, je pense qu'on va y aller, mais on va attendre tout simplement que les programmes soient validés, que les GAL soient en place pour démarrer tout ça. Voilà. Et donc, ça sera au référent, chaque référent régional, de prendre contact avec les GAL et de commencer à des réunions en visio, etc., etc. Voilà. Un peu, c'est en ce sens-là. Voilà. Thibault, quelque chose à ajouter par rapport à ce point régionalisation avant de passer au suivant. Oui, c'est un travail important et c'est vrai que c'était pas facile de l'entamer en fin de période de programmation parce que la première période de programmation régionale a été un moment de calage et puis maintenant il faut attendre la sélection des groupes d'action locales. Donc c'est vraiment un enjeu à partir de 2023 de davantage fonctionner par région. Je voudrais juste rappeler à mon ami François, la différence entre indépendance et autonomie. La différence entre indépendance et autonomie. C'est non, parce que tu as parlé de degré d'indépendance pour les fédérations régionales. Et comme je suis très attentif à l'unité de Leader France, puisque Leader France est une et indivisible, je dis attention, indépendance ne veut pas dire autonomie. Oui. Voilà. Mais du coup, démarche ascendante. Donc il faut attraper la balle au vol. Voilà, c'est tout. Alors, pour continuer sur les projets qui ont été menés en 2022, ou presque menés en 2022, on va, avec François, justement, parler, et Alexis, du projet Erasmus+. Messieurs, Erasmus+, vous pouvez nous en parler? Alors, Leader France a décidé depuis quelques années de mener des projets dans le cadre du programme Erasmus+, de par notre vocation européenne et puis de par aussi les actions qu'on puisse mener, pour donner, comme l'avait dit le Président, donner l'opportunité aux groupes d'action locale de participer sur des thématiques, à des échanges de bonnes pratiques. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir les délégations serbes et d'Estonie qui vont nous accompagner dès mercredi et retourner en Bretagne pour qu'on puisse échanger et travailler ensemble. Et donc, on a travaillé sur un projet qui est le projet Perle, qui était le projet, on disait toujours le petit frère du projet Accessaire, qui était sur les services au public en milieu rural, avec le volet européen, notamment avec le réseau hongrois, avec le réseau estonien qui est ici présent, mais aussi avec le réseau espagnol, et j'en oublie un, la Roumanie, voilà. Et donc, on a continué, on a mené un nouveau projet, donc le projet avec nos collègues serbes et estoniens, et on va continuer à développer ce type de projet. Les objectifs, c'est de vraiment permettre d'avoir des échanges de bonnes pratiques et surtout de l'ouvrir aux GAL. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait les différentes mobilités dans le cadre de ces projets sont des techniciens et des techniciennes de GAL qui ont été en Roumanie, qui ont été en Hongrie, justement, travailler et pour une montée en compétences des techniciens, et notamment François peut en parler, puisqu'il était... Oui. Vous avez participé justement à un projet, Leader, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis, on demandera un petit témoignage dans la salle, si je ne me trompe pas, Alexis. Alors, ouais, du coup on est quand même
n'y a pas que moi qui ai participé à ces projets. On a un certain nombre. Hein. On n'est pas loin de 6-7 déjà dans la salle. Il y a Miguel, Michael, Marie qui est là-bas au fond, Timéa, Yannick. Il y a beaucoup de monde. Du coup, là, on est. Alors, moi, je disais, quand on me demandait, je disais pas que je parte en Erasmus+, ou même en Perle, je disais, je pars en Erasmus, voilà. Avec ce que ça sous-entendait pas forcément de choses extrêmement cadrées. Et ce qui est vraiment très bien dans ces expériences, finalement, il y a ce qu'on voit dans la semaine où on y part. Voilà, nous, c'était un programme de 4 semaines dans. 4 pays différents où on s'était retrouvé avec un petit groupe à échanger sur un certain nombre de choses. Et quand on revient tout de suite, ben c'est pas forcément là où on se dit « Ah, ça y est, on peut écrire directement ce qu'on a vu ». Par contre, c'est quelques semaines après où on est confronté à une situation. « Ah tiens, quelque chose qui nous fait penser à autre chose ». Bon, ben on s'est extrait du cadre du quotidien, c'est assez facile à faire, mais dans le cadre du quotidien, mais se mettre dans un cadre professionnel hors du cadre du quotidien, cette petite bascule, elle est justement permise aujourd'hui par ce programme-là. On va être confronté à d'autres professionnels comme nous qui font la même chose, pas dans tout à fait le même contexte réglementaire, pas avec les mêmes situations sociales, pas tout à fait avec la même culture. Et ces petits pas de côté à chaque fois font que sur une situation donnée, on va avoir un regard différent. Sur un échange à faire, je vais avoir mon contact, je vais demander. Voilà. Et c'est ça qui prend du temps, ça c'est la vraie richesse. Alors, contrairement aux autres programmes dont on a donné avec des chiffres, on va dire, plutôt importants, plutôt 150 personnes qui sont passées par les rangs de formation cette année, là, on est sur des chiffres vraiment beaucoup plus petits. Forcément, ça demande beaucoup plus. Hein ? Une dizaine de personnes ? Pour la France, une dizaine. Si on compte l'ajout des différentes personnes, on est plutôt sur 30-40 personnes. D'accord. Hein, ça demande plus de moyens. C'est plus de temps, c'est plus contraignant parce qu'il faut partir une semaine, il faut laisser son poste, son compagnon ou sa compagne et potentiellement les enfants si on en a, le chat, voilà. L'apprentissage en est d'autant plus important, voilà. On espérera que ça continue avec encore plus de monde, voilà. Alors je crois qu'on a un témoignage dans la salle, hein, si je ne me trompe pas, Timéa Nemeth du réseau rural Timéa. Do you want to take the floor, Timéa? Donc Timéa qui parle très bien français, donc Timéa qui nous a accompagnés à la fois sur le projet Accessaire et à la fois sur le projet Perle. On parlera donc, de Accessaire après, juste après. Oui. Right now. En français, please. No, I can't. I had no time to prepare. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. I didn't prepare, sorry. Je n'ai rien préparé, désolée. Non. You don't want to present the project. Well, when you welcomed us. Just one more. Just the Hungarian part. Or vous voulez que je vous parle de la Hongrie seulement? Yeah, okay. So it was last year in October when a group of people from France, from Romania and Estonia came to us. The Spanish couldn't come, unfortunately. So these 5 countries were involved in the project. And we visited different good practices which were realized in Hungary. So Sunsetter, please. Donc, c'était l'année dernière en octobre. Nous avons eu des personnes de France, de Roumanie et d'Estonie qui sont venues nous rendre visite. Malheureusement, la délégation espagnole n'a pas pu nous rejoindre. Donc, 5 pays ont participé au projet et nous avons pu visiter différents projets en Hongrie qui nous ont permis d'en apprendre davantage sur les bonnes pratiques en Hongrie. OK. Yeah, one of the best practices, let's say, so everyone enjoyed it the most, was a project realized in one of the poorest regions in Hungary. It's a factory that a cooperation of ladies joined and they produced jam and different products from made of fruits. And these ladies, half a year later, came to France to present their project. So this was a little success story.
Et donc, une des meilleures pratiques que les participants à ce projet ont apprécié le plus, eh bien, c'était un projet qui concernait une des régions les plus pauvres de notre pays, une usine, une coopération de femmes qui travaillaient ensemble pour produire des confitures et d'autres produits à base de fruits. Et 6 mois après, elles se sont rendues en France pour nous présenter leur projet. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut continuer l'Assemblée. Merci. Merci à vous, Timéa. Alors, maintenant, le retour sur Accessair. On va accélérer, effectivement. Oui, on va accélérer vu l'heure. Accessair, c'est notre projet financé par le FEADER dans le cadre du réseau rural national sur les nouvelles formes de présence et de mutualisation des services au public en milieu rural, en France et en Europe. Et donc, nous avons travaillé sur les mêmes thématiques que celles d'Esprit, puisque c'est deux programmes jumeaux. Et vous avez dû recevoir le recueil des bonnes pratiques Accessair, Alexis. Oui. Vous avez reçu le recueil et le guide, et donc nous allons poursuivre ces actions. Pourquoi mobiliser des programmes de coopération comme cela ? C'est pour avoir des financements supplémentaires, pour vous faire participer à des travaux de capitalisation, notamment à l'échelle européenne. Et c'est ce que nous faisons, j'anticipe la question suivante, puisqu'on a dit qu'on accélérait, avec le nouveau projet Erasmus+, qui démarre aujourd'hui, avec la délégation serbe et la délégation estonienne, à qui je vais demander de se lever. Ils viennent d'arriver de Serbie et d'Estonie, on peut les remercier. Et donc, nous allons travailler sur le développement local par les acteurs locaux, l'idée étant d'aider notamment les groupes d'action locale serbes à structurer leur réseau national, puisqu'ils implémentent la démarche leader dans le cadre de la politique de préadhésion à l'Union européenne. Voilà pour le rapport d'activité. Parfait. Donc, président, à vous de faire valider et de faire voter ce rapport d'activité, parce que on a, même si on a commencé un peu tard, effectivement, on n'a pas vraiment d'avance. Et donc, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport aux différents points qui ont été abordés? Est-ce que ça appelle des questions de votre part, des remarques? On a voulu ce rapport d'activité à plusieurs voix, mais ça n'empêche pas d'avoir une partie questions-réponses. Oui. Nous n'avons pas beaucoup de relations entre les différents GAL de notre territoire, enfin de notre région. Mais je n'ai pas très bien compris la démarche qui était la vôtre et de cette mise en place d'un super délégué GAL, si je comprends bien, et qu'est-ce qu'il va faire, qui est-ce qu'il a désigné, comment ça fonctionne. Voilà, pour moi, c'est très nébuleux. Donc, en fait, c'est très simple, c'est que notre fédération est organisée au niveau national depuis 1997, mais depuis 2014, les autorités de gestion sont les régions. On a donc besoin d'avoir une organisation régionale, c'est-à-dire que les groupes d'action locale ont besoin de se voir pour échanger, notamment en amont des réunions avec l'autorité de gestion. Nous, Fédération nationale, on a besoin d'avoir des relais sur le terrain pour savoir comment ça se passe dans chaque région, parce qu'aujourd'hui, pour avoir une vision nationale, eh bien, il faut qu'on puisse agglomérer les visions de chaque région, et c'est très disparate d'une région à une autre. Donc l'objectif, c'est d'initier, là où ça n'existe pas, parce que parfois les GAL l'ont déjà fait d'eux-mêmes, d'initier un réseau des GAL par région, qui puisse se voir, travailler ensemble, nous faire remonter les informations, nous solliciter quand il y a besoin, à l'inverse, nous les solliciter quand nous avons besoin de savoir comment ça se passe, par exemple, en Normandie, en Centre-Val de Loire, en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est cet objectif de travailler en sous-groupe par région. Et là, Leader France, dans le respect de la démarche bottom-up, intervient en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des régions où les GAL s'organisent et n'ont pas besoin de nous, et ça se passe très bien. D'autres régions où on a besoin d'initier la démarche. Parfois,
des réseaux régionaux, enfin des groupes régionaux nous disent bah tiens, on aurait besoin de votre appui pour préparer une réunion avec l'autorité de gestion parce qu'il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, on a besoin de votre expertise pour pouvoir répondre clairement à l'autorité de gestion. À l'inverse, parfois des gales de certaines régions peuvent nous dire nous, on n'a pas envie d'aller frontalement avec l'autorité de gestion sur tel ou tel sujet, est-ce que vous pourriez écrire en notre nom? Voilà, on intervient, j'allais dire, à la demande, mais pour ça il faut qu'il y ait une petite organisation, une petite animation à l'échelle régionale qui ne passe pas forcément par une structuration, etc. C'est ne serait-ce que de se voir de temps en temps entre groupes d'action locales d'une même région et d'avoir des informations descendantes et ascendantes avec la fédération. Et en Normandie, nous n'avons pas de délégué régional, je le dis comme ça en passant, et donc nous n'avons pas encore cette petite organisation qui s'est mise en place. Donc je serais ravi d'en parler avec vous après l'Assemblée générale. Une autre question ou intervention? Bien, bah écoutez, président. Si vous en êtes d'accord, nous allons passer à la validation du rapport d'activité. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et nous allons passer maintenant au rapport financier. Donc je vais remercier Afidou, Roland, voilà. François. Merci, on les applaudit. Merci pour vos témoignages, en tous les cas, dans ce rapport d'activité. Et Gérard Lendemain va pouvoir vous rejoindre, président. Gérard, qui est secondé par Bertrand Trépeau. Je le disais en rigolant, mais ce n'était pas que de l'humour que Bertrand se préparait à prendre la suite de Gérard. Lorsqu'il aura envie de partir, hein, parce que tant qu'il est là, on le garde. Et je voudrais aussi d'ailleurs saluer la présence de Daniel Fauché, qui est présent et qui a été trésorier de Leader France pendant longtemps. Merci d'être là, Daniel. Bien, bonjour à tous. De Bardan, pour les Serbes. Alors, c'est vrai que tout l'après-midi, on a parlé de projets. Et ce sont de très beaux projets, mais pour qu'ils puissent se faire, il y a toujours un incontournable, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça se passe pas trop mal. Donc, Globalement, sur notre année, alors oui, le panorama, il est un petit peu, on passe d'une année à l'autre, hein, donc là, on revient sur 2021, hein, c'est bien l'année 2021 avec les comptes 2021. Et pour se rappeler, on a fait ce budget 2021 en 2020, année du Covid. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas très, optimiste. On n'a pas mis dans les actions des chiffres très importants, d'où vous le verrez, la différence un petit peu entre le budget qui avait été fait à l'époque et la réalisation qui, fort heureusement, a pu se faire beaucoup mieux que prévu. Donc ce budget, deux chiffres importants à retenir. À la fin de l'année 2021, nous avions en caisse une trésorerie de 118 000 euros. Et sur l'année 2021, donc, on a fait un résultat favorable de 14 000 euros. Donc c'est vrai que sur les 6 années passées, c'est à peu près, bon an, mal an, le chiffre qui a été fait de 12 à 14 000 euros de résultats positifs. Donc c'est vrai que Leader France, grâce notamment à tous les programmes européens, mais aussi toutes les animations nationales avec la NCT, etc., tous les partenariats qui ont été mis en place ont permis d'avoir des finances relativement saines. Mais il faut toujours mettre ces finances un petit peu en perspective. C'est-à-dire que ce 118 000 euros de trésorerie de fin d'année, ça paraît beaucoup pour une association. Il faut savoir que c'est, disons, un chiffre de 300 000 euros que nous avons de réalisation. Et c'est à peu près... je vais revenir au tableau, je dirais, derrière. Mais pour expliquer quand même que ce 118 ou 120 000 euros de trésorerie, c'est quatre mois de trésorerie. Donc c'est pas beaucoup finalement, surtout quand on sait que les programmes européens, il faut bien sûr les préfinancer. Donc c'est très bien, mais c'est une gestion, je dirais, suffisante, mais pas
exubérante. Voilà, donc si on reprend ce budget 2021... Hein, lequel? Oui. Non, mais reviens au premier, au budget. Voilà, celui-là, voilà. Oui, quand même. Donc, les frais de structure, bon, là, on est parfaitement, je dirais, raccord avec le budget, 19 946. Les charges de personnel, on est également en phase. Hein, là, 126 000 euros, on vous présentera donc l'équipe tout à l'heure. Donc, c'est l'équivalent à peu près de deux temps plein. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on le verra tout à l'heure sur le tableau suivant, les 121 000 euros, les frais de personnel sont couverts par les cotisations à peu près. Hein. C'est à peu près ces deux chiffres à mettre en rapport. Tu reviens pas sur... Oui. Merci. Parce que si en plus, moi j'ai tous les chiffres en tête, mais s'ils changent les tableaux... voilà. Ah bah oui, mais... d'accord. Bien, autrement j'aurai un torticolis à la fin de la journée. Bien, donc les opérations et les manifestations. Alors là, je vais revenir, c'est pour ça qu'on vous a parlé beaucoup de 2022, mais toutes ces opérations, c'était, si vous, pour ceux qui y participaient, c'est le séminaire de APT, donc, qui a été fait en 2021. Et puis c'est essentiellement effectivement les projets accessaires hein, qui existaient, enfin, qui fonctionnaient déjà, et puis l'AG de Troyes. Hein, voilà à peu près pour les grandes actions qu'il y a eu qui représentent ces 98 000 euros. Et c'est là qu'il y a bien sûr un écart assez important par rapport aux 31 000 euros de budget qu'on avait, puisqu'on n'avait pas prévu autant d'actions, je dirais, fin 2020. Les frais de déplacement, enfin, ou les, etc., donc 78 000 euros par rapport à 65 000 euros, ben, c'est en lien avec, notamment, avec Erasmus. Hein. Bon, les amortissements, c'est... Voilà, ce qui nous fait, je dirais, au niveau de l'ensemble des frais de structure et de personnel, 115 000 euros. Ensuite, les adhésions, on l'a dit tout à l'heure, donc 119 000 euros, ce qui fait à peu près 186 adhésions. La participation aux journées d'échange, donc ça, c'est les quelques participations que chaque gale ou chacun paie pour certaines journées. Donc 6 000 euros pour 7 000 euros de budget. Et les subventions. Les subventions, vous voyez, 204 000 euros. 204 000 euros par rapport à un budget, enfin disons à un réalisé global de 330 000, donc pratiquement 60, un peu plus de 60%. Donc c'est bien ces actions qui nous permettent de fonctionner et d'avoir un résultat, je dirais, intéressant. Donc dans ces 204 000 euros, on a bien sûr enfin 175 000 euros sur Accesser et Erasmus, on a l'AG de Troyes et on a 13 000 euros de l'ANCT, voilà, pour ces 200 000 euros. Ce qui nous fait donc une année, disons, avec des dépenses à hauteur de 330 000 euros de recettes. Hein. Et donc un résultat de 14 000 euros sur l'année. Donc bon résultat pour l'année 2021. Voilà. Alors oui, ici c'était intéressant, et c'est Thibault qui avait demandé cette présentation un petit peu particulière, donc de voir dans le budget les deux projets phares de notre association, que sont donc Accesser et Esprit. Vous voyez que, bon, on va reprendre sur l'ensemble des dépenses du budget, 109 000 euros de dépenses, ça c'est pour notre budget de fonctionnement. Et dans le budget 2021, 154 000 euros ont été dédiés à Accesser. Je vous dis, sur les trois années d'Accesser, on est à peu près 300 000 euros sur les trois années. Si on va plus bas, donc vous voyez qu'on a 123 000 euros de subventions. C'est tout simplement parce que c'est un projet européen et vous savez qu'on ne peut le financer qu'à hauteur de 80%. Donc on est à les 123 000 euros, ce sont les 80% des 154 000 euros.
Pour le projet Esprit, on a 51 000 euros sur l'année 2021, sur les trois années, puisqu'il est, je dirais, à peu près identique par rapport à XSR. Sur les trois années, c'est 140 000 euros. Donc 51 000 euros en 2021. Et là, par contre, c'est une subvention qui apparaît, et puisque c'est un préfinancement, il est, subventionné à 100%. Donc on retrouve bien la même somme en. Voilà. Et donc ça nous fait un total sur les projets de 175 000 euros pour 155 000 euros sur les frais de structure généraux de l'association. Voilà, ça montre bien que ce sont bien les projets, hein, comme je disais tout à l'heure, qui nous permettent de le fonctionnement et les résultats de notre association. C'est d'ailleurs l'enjeu tout simple de la vocation de leader. Si j'ai voulu cette présentation par projet, c'est effectivement pour vous montrer que lorsque l'on développe des projets style Accesser, financés par le FEADER, ou des projets Erasmus+, comme Esprit, on fait prendre aussi une partie des frais de structure de notre fédération par ces projets. Et donc ça permet aussi de financer la vie de la fédération. Et en termes de déplacement, puisque c'est un poste qui est très important dans les échanges européens, on optimise aussi, c'est-à-dire que l'on cale nos déplacements en Europe avec des événements des LARD, etc. Et donc on vient financer, grâce à ces projets, des déplacements, notamment pour ma part, pour Alexis, pour d'autres, qui auraient eu lieu quoi qu'il arrive. Et on fait deux choses, deux occasions avec un même déplacement. Donc ces projets, c'est une ouverture, c'est l'occasion de parler du fonds avec nos partenaires européens, mais c'est aussi l'occasion de financer une partie du budget de notre fédération. Tout à fait. Donc c'est bien ce qui permet effectivement l'optimisation de notre... De la gestion de notre association. Est-ce qu'il y a des questions pour Gérard ? Il n'y a pas forcément de questions. Alors notre expert comptable ne peut pas être présent, mais c'est Alexis qui va lire sa lettre de conclusion. Alors, donc, je ne vais pas revenir sur le point du déroulement de la mission et autres. Vous avez reçu dans votre dossier participant, et vous l'aviez reçu en amont, le rapport, un petit peu les éléments financiers qui sont basés effectivement sur l'expert comptable. Je reviendrai juste sur les recommandations et les informations apportées à l'attention de par l'expert comptable. Lors de notre mission, nous avons identifié différents points qui méritent votre attention et ou une régularisation. Néanmoins, ces éléments ne remettent pas en cause la cohérence et la vraisemblance. Les commentaires, donc sur les comptes de 2021, les observations suivantes. La cotisation des adhérents s'élève à 119 400 contre 113 950 sur l'exercice. Ils reviennent, genre, je ne vais pas revenir sur tous les points, donc ils font la différence entre le budget 2021. Mais les constats, le niveau actuel de cotisation, comme le disait Gérard, soit 119 000 euros, ne couvre pas les frais structurels de fonctionnement de l'association. L'insuffisance est de 33 000 euros, d'où la dépendance, effectivement. Donc, l'association est donc dépendante de l'existence de projets subventionnés pour couvrir son fonctionnement. C'est ce qui vient d'être dit. Une réévaluation du niveau des cotisations pourrait permettre à l'association de faire face à ses charges incompréhensibles ou frais fixes en l'absence de projets incompréhensibles, pardon, ou de projets subventionnés. Donc l'augmentation de 600 à 650 a été actée lors de la dernière Assemblée Générale. Et les fonds propres cumulés de l'association donc s'élevaient à 118 000 fin 21, intégrant les résultats de l'exercice. Ils sont donc à mettre en perspective avec la trésorerie nette disponible de 118 000 euros à la clôture de l'exercice. Les charges fixes annuelles de l'association sont soit 152 000 sur 2021, et les charges fixes à assumer, ceux des salariés notamment, dans l'optique d'une éventuelle cessation d'activité. Voilà. C'était les observations du rapport d'expert comptable. Donc en fait, l'expert comptable nous conseille d'augmenter le prix des adhésions. Vous avez bien compris? C'était bien emmené quand même, je trouve. Mais néanmoins, nous n'allons pas vous le proposer.
puisqu'en fait, vous le savez, nous avons lancé aussi pour le poste 2023 une réflexion sur le mode de calcul des cotisations, puisqu'on va avoir dans la période de programmation 2023-2027 moins de groupes d'action locale en France, dont certains, dans certaines régions, notamment Aura, vont être très importants d'un point de vue du territoire, donc on imagine de l'enveloppe. Et nous avons quelques personnes au sein du conseil d'administration qui travaillent à la modélisation d'un mode de cotisation en fonction de l'enveloppe FEADER, puisqu'effectivement, on va avoir de très grosses différences entre certains GAL qui vont peut-être continuer à avoir 1,2 million ou 1,3 million d'euros sur la période et d'autres qui vont avoir le double ou le triple parce qu'il y a eu des regroupements plus ou moins volontaires des territoires entre eux. Donc l'idée, ce serait de trouver un pourcentage de l'enveloppe FEADER pour plus d'équité. Donc pour 2023, on ne vous proposera pas d'augmentation du montant de l'adhésion. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce compte de résultat 2021 ? Pas de questions. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Après le vote, donc vient la question de la cotisation 2023, mais je vous en ai parlé pour vous dire que nous étions plutôt sur une réflexion 2023-2027. Et donc je vous propose de maintenir la cotisation à la modique somme de 650 euros éligible à la 19.4. Je précise. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Très bien, je vous remercie. Et nous allons pouvoir parler maintenant du budget prévisionnel 2023 qui va vous être présenté par Gérard et qui est pleinement impacté, évidemment, par la présidence du réseau européen ELARD. D'accord, donc... Okay. Oui, donc vous avez en référence le budget 2022, donc là on ne va pas revenir dessus, il a été voté l'année dernière et puis de toute façon il est, je dirais, quasiment terminé. Il se profilera, je vais juste vous donner un chiffre, autour de 300 000 euros. Hein, on a 225 000 euros, mais le réalisé sera autour de 300 000 euros. Pour ce qui est donc du budget 2023, pour les frais de structure, on reste à peu près au même niveau, hein, donc à 18 050 euros. Les frais de personnel, c'est quasiment pareil, 127 950. Les différentes manifestations, alors vous avez vu donc tout ce qui se profilait à l'horizon. Donc là, on a 53 500 de manifestations et 50 000 euros de frais de déplacement. Les amortissements, bon, on n'a pas grand-chose, c'est 500 euros. Et on arrive à la participation donc d'ELARD, donc 50 000 euros. Et la mise à disposition donc, de ELA, donc 50 000 euros. Alors, il faut savoir effectivement que grâce quand même, je dirais, aux années précédentes, on a pu se permettre et d'élire un très bon président à ELA, donc Thibault. Mais c'est vrai que c'est une, il faut, je dirais, avoir une pré-trésorerie. Après, on verra avec les financements qui viendront, comme l'a dit le ministre de l'Agriculture et les aides, mais il nous faut aussi un préfinancement. Donc, on est à un budget de l'ordre de 350 000 euros. C'est bien ça ? Oui. D'accord. Pour ce qui est des... Donc, ça, c'est pour les dépenses. Les recettes s'équilibrent, évidemment, à la même hauteur. Donc, les adhésions ne bouge pas beaucoup, hein, à 119 400. Les produits financiers, bon, c'est marginal, hein, 600 euros. La participation aux journées d'échange, c'est toujours pareil, hein, c'est autour de, ce sera 5 000 euros, c'est la prévision qu'on fait. Et les différentes subventions, donc on va retrouver 125 000 euros de subventions. C'est essentiellement, je dirais, Erasmus, hein, donc qui va continuer en 2023. Je rappelle... Accessaire, normalement, se termine fin 2022. Hein. Voilà. Donc, on a 30 000 euros d'Erasmus. On a 20 000 euros d'ELARD, déjà dans cette part-là. Et puis, les projets qui ont été présentés tout à l'heure, ANCT, ALDA, etc., donc qui nous font un total de 125 000 euros. Et puis ensuite, on a, je dirais,
le compte réfléchi hein, entre les dépenses de 2 fois 50 000 euros pour la présidence d'ELA et on a en contrepartie les remboursements et les subventions nationales à hauteur de 100 000 euros, hein, 2 fois 50 000 euros. Donc c'est une opération effectivement qui est blanche pour nous, mais qu'il faut préfinancer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on a des recettes à hauteur de 350 000 euros. Ce budget 2023 est un petit peu plus élevé donc, que les précédents, hein, puisqu'on était plutôt autour des 300 000 euros, mais c'est lié donc, à la présidence d'ELA, sachant que... Après, je dirais, l'association ELARD est indépendante de l'association Leader France. C'est une autre, même si c'est le même président. C'est une autre association. Il y a juste des flux financiers entre les deux. Qui a son budget propre, ses comptes propres, voilà. Donc il n'y a pas d'interférence entre les deux budgets, si ce n'est un certain abondement qu'il faut qu'on amène à ce niveau-là, puisqu'on est pays... avec la présidence. Voilà pour le budget 2023. Est-ce qu'il y a des questions pour Gérard ? C'est clair ? Bon, sachez que les comptes sont bien tenus par Gérard et par Bertrand, avec l'aide de notre comptable et de notre expert comptable. Donc, et puis on est tous issus de la filière Leader, donc il n'y a pas un demi centime d'euro qui disparaît. Quoi. Vous savez comment ça se passe. Sinon, à la fin, il y a le logiciel qui clignote rouge. Et... Donc vous pouvez être rassurés. Est-ce qu'on peut passer au vote du budget 2023? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci beaucoup Gérard. Et je voudrais profiter de l'occasion, parce que le vote du budget, c'est l'occasion de voir tout ce qui est fait aussi par la Fédération. De vous présenter ou de vous représenter l'équipe de Leader France. Elles vont nous rejoindre. Donc Alexis Lebras, secrétaire général, vous le connaissez bien. Donc Alexis est maintenant secrétaire général depuis un certain nombre d'années. Elodie Favara, qui va monter sur scène, est notre assistante administrative et financière qui a commencé ce matin. Donc ce soir, c'est son pot de bienvenue. Bon, on la connaît un petit peu, hein, puisqu'elle est à mi-temps à Leader France et à mi-temps à la mairie de Pleuc-l'Hermitage. Adeline Hamel, qui est notre volontaire territoriale en administration, chargée de mission sur tout ce qui concerne donc, les rapprochements entre politiques de l'ANCT et Leader. Et puis Élise, alors Élise, venez. Élise, Adeline a remplacé Élise, qui était VTA à Leader France. VTA, ça dure un an. On lui a dit de venir cette année parce que l'année dernière, elle a raté l'Assemblée Générale. Elle était en train de passer son concours d'attaché. Donc elle a raté l'Assemblée Générale, mais elle n'a pas raté son concours. Elle a eu son concours d'attaché. Et figurez-vous que, ne reculant devant aucun risque, elle a accepté un poste à la mairie de Pleuc-l'Hermitage. Donc Élise, qui a terminé son VTA, mais qui est avec nous, Adeline qui l'a remplacée, Élodie qui a commencé ce matin, et puis Alexis, notre secrétaire général, je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Et j'en profite pour vous dire que dans le cadre de la présidence d'ELARD, nous allons recruter un profil européen pour suivre pendant les 2 ans la présidence d'ELARD. On aura l'occasion de vous diffuser la fiche de poste pour que vous puissiez aussi la diffuser dans vos réseaux. Donc l'objectif, c'est de trouver quelqu'un qui connaisse bien Leader, qui soit au moins bilingue en anglais, qui connaisse un peu les processus de décision à Bruxelles, et qui puisse nous accompagner pendant les années de la présidence d'ELARD. Donc si vous pensez à des profils dans vos réseaux, même un ou une junior, on fait confiance aux jeunes, il suffit d'avoir quelqu'un de dégourdi qui a envie de travailler avec nous. Mais je pense que ça doit donner envie de travailler avec nous, non ?
La preuve, c'est qu'ils restent ou après ils viennent à la mairie de Bloc-l'Hermitage. Donc le président n'est pas si terrible que ça finalement, puisqu'ils acceptent de continuer à travailler à mes côtés. Merci à toutes et à tous. Bruno, tu allais m'interroger sur le plan d'action 2023. On en a un peu parlé, on est très en retard, on en a beaucoup parlé. Déjà évoqué. On en a beaucoup parlé, donc pour vous autoriser une pause café très courte avant la table ronde, je vous rappelle juste les axes, parce que vous allez voir, on en a parlé pendant le rapport d'activité, c'est fongible. La poursuite du partenariat avec le CNFPT et les universités pour la formation, la régionalisation de Leader France, le démarrage de la programmation 2023-2027, En termes de communication, un nouveau site avec une plateforme d'échange. Alors c'est un truc de Jones, là, oui, on peut échanger en direct. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air vachement bien. La sensibilisation du nouveau gouvernement et des parlementaires à Leader. L'intensification des articulations avec les dispositifs de la NCT. Un séminaire Leader à Bruxelles. On vous proposera un séminaire Leader à Bruxelles, comme on l'avait fait il y a quelques années, pour vous permettre aussi de bien revisualiser le fonctionnement des institutions européennes, et puis des projets de coopération et autres projets qui pourraient intervenir pendant l'année. Sur ce programme d'action 2023, est-ce qu'il y a des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Il faut qu'à 45, on soit en place. C'est ça, Bruno? Voilà, 45 en place, ça sera parfait. On avait un petit quart d'heure de retard, donc qu'on n'a pas rattrapé, dommage. Mais c'était passionnant, c'était super. Donc on se retrouve à 45 ici pour effectivement en route vers la nouvelle programmation, puisque c'est le thème de la table ronde. À tout de suite.